Pourquoi j'ai... Oh, on va se rhabiller. On va se rhabiller de suite. Tac. Pas celui-là. Voilà. Super bonne danse cette nuit. Aïe 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 aïe. Salut Jirling, salut Mister Frey, salut Spartiate, comment ça va? Faut que je m'achète une caisse, hein. C'est plus possible là. Ah bah ça va, écoute, hein. Neuf degrés, les gars, ça ne peut qu'aller. Bon, on va descendre un peu. Ou une bonne moto, ouais, effectivement. Une. Oui, je pique les véhicules. Oui, c'est pas bien, je sais. Pareil pour le moment, demain ce sera pas la même. Pourquoi demain ce sera pas la même? Ah ah! Je vais à peine arriver que je lag déjà, c'est pas possible. Mort de rire avec ce qui s'est passé hier pour ceux qui ont suivi les lives des autres. Genre il y avait Kidou je crois qui était en live et après je sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres mais... Un jour chez les parents... Ah ouais merde. Bonsoir. Alors, un clock. Est-ce que je prends un parachute en vrai? Non. Ouais. Bonsoir.
Salut Bolubal, comment tu vas? Salut toi! Ça va? Ça va. Hein. J'ai juste arrivé au poste là, je vais prendre mon service. Tu fais. On va venir te chercher. Hein? Ah, d'accord. On va Ok. venir te chercher, on va venir te Ok. chercher. 66-18, bonsoir à tous. La cata, la cata, la cata. Pas ce soir parce que Abdul est en vacances chez sa copine. Du coup, bah voilà quoi. Allez, la cam. Non, en fait, vous voulez la cam ou pas? Ce soir, je suis coiffée. Je me suis dit, bon, allez, ce soir, on la met, je suis coiffée, mais en fait, je sais pas trop. Je sais pas si ça va pas faire bugger, là. Cam, Cam. Maddy! Ouais. Coucou. Coucou. Ça Ça va être toi. va? Coucou, T'as Maddy. vu, je suis là tôt, hein. Ah, ouais, bah ouais, d'ailleurs, qui se fout là? Ah, ça y est, j'ai fini. Je suis Ah, là. nice! Parfait ça. Ça va depuis hier? Ouais, ça va mieux, oui. Ah ouais, ça va mieux. Ouais, j'écoute. Ouais. De Bon, ça 40 va, pour l'agent allez, qui est ça va avec mieux. toi, Hein. tu vas expliquer lui, s'il vous plaît, pour les codes de Allez, route. hein. Coucou 50. Ah bien. Ça va mieux et toi? Ouais, ça va, ça va. Bien dormi? Ouais, comme un bébé, hein. Je crois que j'avais bien J'imaginais. picolé Bien hier. arrosé, quoi. Je me souviens pas de Toutou. Ah. Ouais. Moi, Enfin, je je. Bonsoir, lieutenant. J'ai vu Ah, des bonsoir, ça messages, va, quoi. c'est. Ah! Ouais. Les messages, quel genre? Que j'ai envoyé des personnes. Non, c'était pas à moi, c'était pas à moi, tout va bien. Non, 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 ça va, je n'ai. Et qui n'en revient pas? Enfin bref. Moi j'ai vu des choses, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais. Ouais, j'ai dansé, Comme non? t'es 8. Ouais, vous avez un déhanché. Ah, c'est rigolo. Voilà quoi.
De quel type? De quel type? Oui. Comme ta sœur. Je vais pas. Je danse bien au moins. Ah, écoutez, c'est très. Comment dire? Très perspicace. Comment ça va, lieutenant? Ouais, bah, mieux que la voiture. Hein. Ouais, mieux que les deux voitures. Là, voilà, la mienne, elle est intacte. Hein. Par contre, oui, ça, oui, oui. Je suis pas trop sûr. Hein. De quoi? Je vais pas rentrer dedans. Quoi? Hein? Deux. J'ai vraiment de rentrer 3. Dedans, tu vas voir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai gagné. Allez. Comme on dit, A, B, C, le pantalon. Oh là là. Ok, bon, allez, c'est le moment où je pars. Salutations. De 40 qui prend champagne sous sa tente. Bonsoir. Bonsoir. Oula. Non. Code orange, j'y vais. Ok. Bonsoir 66, vous allez bien? Bonsoir mon capitaine! Oui, je vais bien. Va, et vous? Bien. Oui, ça va très bien, je vous remercie. C'est vrai que 66 c'est très bizarre hein, quand même. Comment ça? Très étrange. Hein. Pourquoi? Après, c'est quelqu'un de la DD, je peux comprendre. Hein. Ça me choque pas des masses. Ouais, elle aime bien les bureaux quoi. Voilà. Oh là là. Oh. Oui, lieutenant Fischer. Allez, t'es petite celle-là, capitaine. Ah, d'accord. Ah, ouais, non, mais c'est ça, c'est normal. C'est moi, je suis un peu. C'est mon instinct animal primaire qui ressort. Non, mais c'est bien de le remarquer. Bah, visiblement, ouais. T'as dit quoi? Non, non, elle était pas là la soirée, et surtout, mais surtout, elle est pas là ce soir, donc je sais pas. Ah, je sais pas, vous avez des nouvelles, vous? C'est pas tant mieux, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Elle est morte? Ah! Là, ça dépend qui est mort. Vous voyez, si je peux me permettre, il y a certaines personnes, bon. Des bandits, des gangsters, des terroristes, voilà. Là, je suis au tacos là avec 85-66. Tacos. Ouais, au tacos, ouais. Non, je suis pas mexicain. Ouais, bon. Wamber. Bonsoir les jeunes, vous allez bien? Mais pourquoi tu t'énerves? Parce que ce n'est pas une four ici. On a capitaine tranquille. Oui, ça va et vous? Ils viennent acheter quelque chose, ils sont pas énervés. C'est quoi un code de. Bah oui, on a. C'est fermé. Non, si on va, c'est ouvert. Ah d'accord, ok, merci. Parle de défaillante, t'as vu ta gueule? Ouais. D'accord. Okay, ok, d'accord. Et l'association, elle s'appelle Lutte contre la faim. L'association. Ok, je refais, je refais. Ok. Bonsoir, ah, oui. Messieurs, vous allez bien? Bonsoir, capitaine. Il y a un problème. Bonsoir. Dans le script. Il y a des gens qui ont. Il y a un bug dans la matrice. Oh, mon cerveau! Oh mon dieu, il y a un problème dans la matrice. Oh mon dieu, la machine est cassée. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, tranquille. Oh, je suis bénévole pour une association qui s'appelle Lutte contre la faim. D'accord. Et je viens récolter des dons. D'accord, ok. Ça vous intéresse? Enfin, c'est pour les enfants malades et qui sont dans la famine, quoi. Non. Ce sera pas possible. Tout ça? On pour s'en ça. Fout des enfants. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je suis bénévole pour une situation. Oui. Attends, on refait. Allez. C'est Sergio. Il vous sert quelque chose peut-être? Oui, donnez-nous 5 menus chacun x 3, donc 15 s'il vous plaît, comme ça on a des petits stocks. D'accord. Bonsoir, merci, monsieur. Oh, oui. Merci. Je suis bénévole pour une association. Oui. Elle s'appelle Lutte contre la faim et je récolte des dons pour les enfants qui sont dans la famille. D'accord. Est-ce que vous voulez faire un don peut-être? Non, on s'en fout des enfants. Salaud m'a dit. Vous êtes pas le pire, je veux dire.
Ah bon? Il y avait super bien et doigt. Vous savez, un enfant en moins, c'est potentiellement un adulte délinquant en moins. Donc en vrai, s'il crève de faim, moi ça m'arrange. Vous voulez que les enfants ils meurent quoi, si j'ai pas compris. Bah ouais, ça peut m'aider. Garde-la pour tout ton service, d'accord? T'en fais pas. Tous les jours où tu vas passer ici. Bonjour monsieur, je peux vous parler deux petites secondes? Tu recevras cette rose éternelle. Viens, viens petit. Toi aussi, t'es adorable. Il vous faut la facture, hein? 10 000 dollars, là. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 10 000 dollars, hein? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai? Bah, je sais pas combien ça coûte. Juste un gris. Bah, 10 000 dollars. Bah, voilà, bah, normal alors. Eh bah, écoutez, il va rembourser mon amende grâce à ça, il vous remercie. Bon, tu fais le toutou du coup? Non. Un dog énervé. Ah, t'es un dog énervé. 500 que c'est... Attendez, vous m'avez donné 20 minutes pour 500 dollars. Degrés avec toi. Ouais, ouais, bah, il se crée plus de gros. On fait pas ça pour se faire de l'oseille, on fait ça pour la passion. Hein. Ah, ça fait plaisir. Mais j'aime pas les claques, moi. Bah, capitaine, tant que vous êtes si vous plaît, si, je sais quoi. Mais bien sûr que si, aïe ça, bordel. C'est ton côté. Mais... ton côté 59 degrés que tu aimes ça, d'accord? Mais non. Il était cerné, m'a dit. Il était cerné. Mais pas du tout. T'es sûr? Oui. Ok, d'accord. Tiens! Aïe! Reportez. Vas-y! On met en une! Tu veux que je t'en mette une? Vas-y! Aïe! Voilà. Ok, à mon tour maintenant! Tiens! Alors, on non, mais attendez, c'est une amourette, c'est ça? J'allais le fracasser là. Okay, non, non, c'est bon, t'en fais pas, entre les mains et moi. C'est bon, bien sûr, c'est toujours comme. Voilà! Aïe! Aïe! C'est maladif comme ça, chez d'accord. vous, hein, 66, hein. Faire attention. Quoi là, ah, comment ça, c'est maladif? Pourquoi il y a des trucs comme ça là? Je sais pas. C'est pas la première fois, c'est ça? Non, c'est juste que j'étais bourré hier soir. Et t'as fait quoi hier soir? Oh, j'ai dansé. Toi, dansé? Oui. Ok, tu sais quoi? Je t'attrape, vas-y, c'est bon, j'arrête les baffes. Tu m'as fait un bisou sur la joue là? Ouais, c'était pour te. Bien sûr. C'était pour détendre l'atmosphère. Voilà, bon, super. Mais merci en tout cas. Et à plus tard, Maggie, d'accord. Prends soin de toi. C'est le capitaine qui a les menus, c'est ça? C'est conséquent, je vais vous briefer sur c'est ce que ça, je veux ouais, qu'on c'est fasse le ce soir. Okay, merci. Ce soir, c'est la course à la récupération de zones d'armement illégales. Aïe! Il y a un code orange qui a été débloqué, déployé sur le centre, c'est fait pour ça. Ça vous donne le droit de palper n'importe quel individu que vous allez croiser. Je vous montre pas de palper la maman de 45 ans qui est en train de s'occuper de son enfant. Par contre, tout un individu qu'on va savoir revendiquer d'un gang, vous le palpez. Ça va contre le mur, il a une arme, il a pas d'arme en fonction. S'il a une arme, vous le ramenez, recensement et amende. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bien pris. On a eu des bisous de Mario. Pour Adam 25, Adam 27. Tu sais que c'est une technique hein, de draguer les. Des mecs qui font une partie d'un gang. Hein? Tu dragues beaucoup de monde, je trouve. Je fais exprès. Quoi ah bah écoutez, il a commencé à se rapprocher de moi là, Attendez, lequel? Un peu comme ce que vous m'aviez fait hier soir quoi. Ah, quoi? J'ai fait quoi mais je... Oui, bon écoutez... J'ai dansé juste. Oui, voilà. Oui, je sais. Ah, bon, oh, ça va, vous me rassurez là. Dansez. Ah. Quoi? Qu'est-ce que... Mais non, me dites pas que... Yes, I'm blue. Oui, ça, je sais aussi, oui, merci. Bien dansé quoi. Bien dansé quoi. Du genre. Oui, allô. Collé serré. Allô. Bien dansé. Vous êtes qui déjà pour commencer? D'accord. 12. Bah allez vous faire reculer. King 20, 19 sur le 1060 de la liste. C'est bien reçu 10-4, courage à vous. Bonsoir. Bonsoir, 57. Bonsoir, 57. Bonsoir. Bonsoir, ça va. Est-ce qu'on n'organiserait pas un petit convoi sur les coups de... Bah en vrai, y'a... Ouais, c'est calme pour l'instant. Bah justement, c'est pour ça. C'est pour ça, parce que c'est calme. Bonsoir. Ouais, vous voulez pas attendre... Ouais, 23h, vous voulez? Ouais. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce que j'ai un Ophi 3, là? Attends. Ça compte pour capitaine. Ouais, j'ai des coups de mon enfant. Oh là là, arrêtez de faire des choses comme ça, capitaine.
Allez-y, DJ, on vous écoute. C'est quand ma convocation, du coup, enfin, mon... Bientôt. Elle peut pas vous appeler pour vous demander ça, elle. Convocation. Oui. Los Santos Police Department, j'écoute, que puis-je faire pour vous, Captain Morello, à l'appareil? Oui, bonsoir. Vous êtes où là actuellement? 83 avant véhicule non déclaré. À la pizzeria, et ben on arrive tout de suite. Voilà, super. Une personne qui veut pointer mais qui a pas de véhicule pour se déplacer. De 40, j'ai besoin d'un dossier 3 volontaire là sur le terrain. Pas qu'il y a 10 qui est volontaire, 40. Félicitations, je vais vous appeler. Quoi? Ah non, il est pas bon. Il a chier. Pas pour ça. Ok. Parce qu'il a, ouais, il a du mal, il a des problèmes et tout. Ok, bah je vais prendre ses cartes tout à l'heure. 57 52, ça lui fera la vie. Elle est au FI 2 ouais, mais c'est pas grave, ça lui fera la vie. J'aimerais la passer au FI 3. Ouais, j'aimerais bien la passer aussi. Bravo, alors vous avez, Humber, vous avez jusqu'à, disons, 22h40 pour me préparer un convoi là. Vous préparer un petit peu. Vous rappelez quand c'est bon. Merci. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, monsieur le capitaine? Ça va, super. Il y a quelqu'un qui doit pointer ici. Si, c'est moi. Ah, c'est vous? Allez-y, bah donnez-moi votre nom, prénom, pièce d'identité, puis je... Lorenzo Mancini. Ok, petite pièce. Voilà, nickel. C'est très fameux, c'est très connu, les Mancini ici. Putain, bon Dieu, j'entends parler que... C'est mon entreprise, monsieur. C'est normal, c'est l'entreprise de Mancini. Un peu logique. Mais je sais, c'est pour ça que je dis ça. Bah c'est comme si moi je vais au Comico et je dis putain c'est rempli de policiers ici. Au Comico? Salut Snaps. Ouais non, true story hein, je peux pas lutter. Ça ou quoi carrément Lorenzo? Ça va. Putain moi aussi ça. Vous allez bien monsieur? Et bah ça marche, c'est noté. Ouais il a un flow. Moi je veux juste dire un truc, c'est... Merci. C'est ta beau capitaine. Bon il faut y aller, ce soir ils sont tous dégénérés hein. Ils sont fous. Je sais pas ce qu'ils ont ce soir. Ce soir ils sont tous dégénérés, c'est ça leur problème. Je crois que ça a commencé hier soir. Venez, on va sur le 1060. Il y a quelqu'un dessus. Sur le celui de la Puerta. Ouais, c'est la même chose. Le 27 à Central, le 1060 se transforme en 1038 sur un individu. Bien sûr. Le 40, j'ai une séance que vous faites au fur et à mesure pour ça, avec le dispatch à l'heure. Mais c'est un bon camarade. Il l'a mis en tête. Ça va encore, hein, donc bon. Il est 40, j'ai un agent sur une patrouille sur la plateforme pour les 200 francs. C'est reçu, on va se rendre de la date 85. Bon, l'objectif. Vous avez tenu civil sur vous? Une tenue civile, bah ouais. Ouais, j'ai envie d'envoyer. J'ai envie d'envoyer 66 acheter de la drogue aux individus qui vendent là-bas. Ah ouais, bonne idée. On est ça. Sur le fait. Mais je sais pas. J'ai 19$ hein. Ouais, non, tenez, je vous en donnais moi, c'est pas grave. Moi je suis posé. Après, je crois que je sais pas si. Ouais. J'espère que c'est pas quelqu'un que je connais quoi. Madame 24 sur le dernier 1038 au niveau de Vainwood. Ça s'est fait mousse que ça. Allez, ça. Non. Mais ça fait longtemps que vous draguez tout le monde comme ça? Alors, c'est uniquement pour avoir des informations. Professionnel? Pardon. Bah oui, pardon. C'est pour avoir des informations. Allez, je vais vous donner de l'argent. Ça fonctionne bien. Changez-vous. Je vais me changer. Madame 27, 19, alors dernier 4-2. Igno, c'est 1024, c'est bien frais. Merci beaucoup. C'est bon comme ça? C'est bon. Ça fait pas trop flic? Ça fait pas trop flic. Parce que je peux mettre un jean hein, sinon. Non, c'est bien. Ok, parfait. C'est par où déjà? Adam 27, c'est par là en Tango avec 95, il est au PDP. 14, c'est bien pris, 19 PDP dans ce cas-là. Ramenez-le de la bonne.
Salut Junior, comment tu vas? Un guetteur femme qui fait des calls radio sur le toit. Le dernier 1060. Un guetteur femme sur le toit. Ouais, 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 elle fait des calls radio. Ça, montre-moi quel toit, on va aller lui sauter la gueule à elle. Je suis vers le bar rouge, je t'envoie une position. Vas-y, envoie-moi une position, on va aller la sauter sur le toit, elle, ouais. On va lui faire tout drôle. Vous voyez l'échelle? Ok, avancez. Attendez. King Vance, 1038. Vous l'avez 40? Hey! Sup? What's up? A34 véhicule volé. Enregistré sur nos bases de données. On partage pas des informations privées dans mon chat. Allô? Ouais.
Vous l'avez? Bah je pense. Attends. Ah bah je suis au téléphone avec Ouais salut. Ouais je raccroche. Merde. Ouais Emilia. Ouais. Allô? Oh mais putain. Bonsoir. Attends bonsoir. Je t'appelle. Ouais ça va. Ouais. C'est bon comme ça? Ça a l'air. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as repéré d'autres gens ou pas? Ben en fait quand je suis passé dans la rue là où il y avait le bâtiment rouge, il y avait un mec qui est passé juste à côté de moi, il a fait un call radio. Le mec il a fait un bandana et un bandana. Ouais, un bandana kaki ou gris, je sais pas. Ouais, on l'a contrôlé, on l'a contrôlé en haut. Mais rien de plus. On l'a contrôlé en haut, il y avait rien de très transcendant. J'ai vu personne d'autre. On a récupéré la radio de la nana. Ouais. Sinon y a rien de très spécial. T'es où toi? Ben là je me balade sur la sur les quais de la plage là, tu vois. Mais genre quais de la plage. Mais je suis proche du attends, ben je vous vois là, derrière vous, j'arrive. Ouais, c'est bon, au moins on a fait cesser le trafic avec la présence, c'est déjà bien. De la tombe 85 c'est code 4 sur le 60 au niveau de la plage. Tu peux modifier bah tu veux te changer? Si c'est bon, je me change dans la voiture. Ouais mais ok. Ça c'est bon. On transporte quoi aujourd'hui? La drogue? On peut ou des armes, peu importe. Faut voir un peu ce qu'il y a en trop dans nos stocks. Hein. Bah, si vous voulez vider un petit peu l'armement là, de ce qui est en ville, transporter des armes, c'est peut-être pas la bonne idée pour aujourd'hui. Demain, c'est sûr, ouais, donc de la drogue. Ouais. Ah oui, la oui, drogue. De la drogue, ouais. La drogue plutôt. Salut, elle s'attendait pas à me voir arriver, elle me fait monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Ah là. Ouais, elle a bégayé. Ouais. Mais à mon avis, elle pense pas que je l'avais vue, hein, parce qu'elle a dû me voir, c'est pour ça qu'elle a fait son call radio, mais. Ouais, vous avez été vive. Y'a un peu. Je regarde vraiment partout. Hein. Vas-y, on va pouvoir un peu le farmer, pardon. Moi aussi, je regarde souvent de partout. Moi, j'ai les yeux vifs. D'ailleurs, que je sais repérer mes cibles. Moi aussi, je regarde vraiment partout. Partout. Et des petits culs, enfin voilà. Ouais, exactement. Je pense que 66 est un homme. Quoi? Alors, oh, oui. Je peux vous le dire, non. King Van dit. Comment ça? Quoi? Attendez, comment ça? Capitaine, vous avez pris les menus au tacos? Oui, oui, tout moyen, à fait. Vous m'en donniez, tu tenez, plaît. Attendez. Ouais, je vais vous en piquer aussi si vous avez, j'ai pas pensé à le prendre. On fait ça en plein milieu de la route, ok. Heureusement que c'est donné des repas. La route est à nous. Tout à fait. Ah. Voilà. Ah, pardon. Ah, ça m'étonne, par contre, on va aller faire notre combat dans le nord, du coup. Ah merde. Bah oui. Ah, bah. C'est comme ça, c'est la vie. On va au human. Bon, ouais, elle m'a fait un plan, elle vient de m'envoyer un plan là, c'est pour aller base militaire, ben on fera un détour pour le human et voilà. Mmh, ouais, non, c'est un. Ouf. Non, base militaire, c'est bien, même si c'est de la drogue pour cette fois-ci. Même si c'est de la drogue, ok, le ouais, ouais. Parce que human, c'est chiant, ça nous fait pas. Ou alors, faut prendre à Los Santos Freeway, quoi. Non, je vais vous envoyer le plan qu'elle m'a fait là, et puis. Ah, t'as vu ou pas? Oui, j'ai regardé. T'as regardé on fait ça pour 23h. Ça va. Y a la finale de Fame Marshall, hein. Ah ouais, merde. Et ouais, c'est pour ça. Bah après il fait genre 23h, minuit peut-être, non? Ouais, minuit, ouais. Ça dure quoi, une heure à peu près, je pense? Ouais. Voilà. Du coup, on en parle de la chaleur. Bah, vers minuit, bah attends, c'est bon, j'ai commencé à regarder, mais j'en vois aussi à mon yo. Enfin, j'ai pas mis les adams encore, parce que je sais pas s'il y a qui. Faudrait que je regarde quand il y aura des gens. Après, on fera la ligne et tout. Ok. Par contre, la route, elle est un peu longue, je sais pas si l'échange. Enfin, le retour. Non, après, bon, c'est bien comme ça. Ouais, quoi? Ça va, ça. Bonsoir, ça va bien le temps? Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. La tenue, votre tenue, le temps, ça va pas. C'est quoi ces gants? J'ai froid. Ah, j'ai froid. Ok, bon, j'ai cru que c'était. Vous êtes pas beau, hein. Attendez, j'ai vous froid. Avez froid, le lieutenant? Non, vous ne réchauffez pas le lieutenant, même. Mais non, si non, non, bon. mais il fait pas froid du tout. Il fait froid, moi j'ai froid. J'ai une petite grippe, peut-être. Je suis grippé. Attendez juste, vous avez fait quoi avec le capitaine là? Mais rien. J'ai dansé, apparemment, mais. Apparemment. Le lieutenant, vraiment, il a pas. Apparemment, il a fait pas qu'apparemment. Sachez-le. Quoi?
Sachez-le que genre vraiment, imaginez on fait une tier list. C'est une femme, à mon avis, c'est qu'il a été mettre mettre son petit doigt dans cette enquête. Je mets toi, je peux t'assurer que ça avait mis à des billets. Elle a été vide à la fin du show. Aussi Madame Dixon, Madame Dixon, si jamais en sortir. Madame Dixon aussi, je la mets en Big Caesar. Elle aussi. Ah, et celle-là aussi, je la mets en Big Caesar. En top tier. Et après, tous les Ophiens, je les mets en bas là. Ouais, ouais, et. Mais il a dit que le lieu de travail, il avait un premier. 95 est en poste de police actuellement, si vous voulez venir le chercher. Madame Dixon, je la mets aussi en top tier. Celle qui s'occupe des promotions. C'est quoi, on va faire un tir avec des C'est grave, mais il suce tellement que j'ai plus de peau quoi. Donc Oh l'enculé, il fait du feu. Classement bah tiens, moi. Madame Dixon, ouais, terroristière. Allez. Non, terroristière, t'inquiète. Madame Dixon, allez, vous faites un classement. Des agents de police. Alors, non, y a pas de on fait, il fait. Ouais, c'est pas speak. C'est qui le fait? McQueen. Ah, pour quelqu'un qui a été downgrade officier 3 et qui est galéré à mon avis. Aïe. Pourquoi il avait mis. Ça tire à balle réelle. J'avais mis top tier. Je vais pas vous cacher. Sous classement, je m'en bats les couilles. Tu passes top A maintenant. Hop là, tu perds un grade toi aussi. Toi aussi, tu perds un grade. Je m'en fous, je suis sergent. Moi, j'ai pas besoin de grade, je suis un palais. Et le capitaine, par contre, je le mets au-dessus de top tier. Regarde, il fait une tier list et. Il fight speak. Attendez, je suis où moi dans la tier list? Dernier. Catégorie spéciale pour vous tout en haut. Qui a fait ça? Moi, je vous ai mis premier. Ah, premier, ok, ça va alors. Capitaine, moi, je vais vous mettre premier. Faudrait la régresser un peu et tout. Roger, ça arrête pas, c'est bien avec moi là, viens. 66, t'es même pas dans le classement. Avec moi, ouais. Tu fais de la merde? Classement danseuse. C'est normal, je suis au-dessus. Bon, pas en dessous du capitaine. Sans mauvais jeu de mots, hein. Bon. Hé, lieutenant, vous avez vu, j'ai sorti un nouveau véhicule. Tell me loudly, sir. Elle est vraiment moche. En vrai, elle est bien la voiture. C'est le canine, il est trop nul à chier. Ça va 26. Ça va et toi? Ça va. 27 à 20. J'écoute. Ma mère raconte TPA s'il vous plaît. Tu m'as pas appelé TPA? Ah si, je vous ai appelé 4 fois. Comment elles vont les gonzesses? C'est toi qui m'appelles? Ça va et vous? Non, je vais recomposer votre numéro. Ça va, ça marche alors, nickel. Bon, un autre appel. Deal de drogue. Ça va les gonzesses? Viens avec moi sur les deals de drogue là. À la Manteau Centrale, on a un véhicule que j'aime bien. Dernier 10-60 au niveau de Rancho. Bon, est-ce qu'on se. Dernier rappel de... peut-être 66, je crois que c'est. Quoi? Hop là, dans le facochère. Elle a pris un giga coup de portier ou c'est moi? Ouais, ouais. Non, on est là. Dans le facochère. Niveau de Vespucci Beach, pardon. Solide sur les appuis, 26, hein? Mais elle a rien pris. Mais j'ai rien pris. Ah, si ouais, pris. Allez, bref. Ouais, bref. Du coup, qui c'est qui est dispatch avec qui là? Bah, on attend, hein. Bah, je sais pas ce qu'ils font là, s'ils vont faire. Non, ils vont pas faire le combat. Non, le combat c'est après, parce que pour les conneries d'envoyer mes convois à 57 là. Moi j'étais avec 40 et 85, et 85 vient de partir avec 50. Et 40 il est là, je crois encore, non, il est avec 57, je sais pas où. Ils sont en train de discuter. Il m'a dit d'aller me faire enculer. Oh, donc tu veux pas ranger ta voiture toi, 26? Elle est en bas. Mais elle est bien ou pas, non? Je t'appelle. Ok, tu viendras pas te plaindre après. Il y a un garage ici au cas où. Elle est plat. Ouais. Il est parti avec 50, du coup on reste ensemble. Attends, je vais appeler 85 parce qu'on va faire un truc. Mais oui, après oui. Y'a un truc là prévu? Ouais, on va faire un combat. Dans pas longtemps, ouais. Ok. Ouais, vous êtes barré? Ok, bon, j'ai. On ferme mon top tier. Je vais la forcer à faire un peu. Madame Dixon? Ouais. Vous sucer, arrête de sucer! Frère! T'es sponsorisé Choupa Choups ou pas? Pas encore. Parce que là, dis-moi, hein. Pas encore. Vu comment tu les gobes. Vous les portez ensemble, Madame Dixon? Arrête, c'est Non, je suis pas ça. Ah, ok, bah je pars avec 57. Go! Mais non, je suis pas ton deuxième chat en fait, tu vas te faire foutre, tu vas partir tout seul. Hé, 57, tu pars avec moi? Oh!
te laisse conduire la Viguero même, regarde. Viens, viens 57. Ah, la Viguero. J'aime pas la Viguero. Voilà. Allez, va pas avec ton speedo là, qu'on ne passe pas là. Loser. Viens avec moi, viens avec moi, je suis loser. Non, non, mais ça n'arrivera pas, on va faire comme ça. Spahis, pas à joindre le dispatch. Tu t'appelles quand t'as besoin? Ouais, on va faire les tours. Madame 27, code 4 sur le dernier 1060 au niveau de Vespucci. Oh non, ça sonne à l'infini, je vais serrer. Ah. Oui, putain, ça sonne. Je pars en patrouille, du coup, il y a 26 qui est en dispatch aussi. Parfait, je l'espère. Ça sonne, c'est mon frère. Merci. Non, putain, je dois. Tu veux que j'aime aussi? Attends, il y a 20 trucs qui sonnent en même temps, j'arrive. Je vais mourir sinon. Du coup, bah, c'est pour faire dispatch, je pars avec 26 et après je pars pour les autres, ça vaut. On va penser, je vais venir avec. J'arrive. Bon, Salut 17, ça va? Dit, ça va? Ouais, ça va, tu vois. Ça va, tu t'es remis? Ouais. Là, vous étiez vraiment en roue libre. Hein. Quoi? Vous étiez vraiment en roue libre hier, toutes. Bah, en avec fait, c'est mon problème quand je bois. Putain, j'ai vu à côté de toi que je connaissais même pas. Ah ouais? Je te jure. Allez, ouais, en patrouille, bande de branleurs! Tout le monde en patrouille, les branleurs! Allez-y, merde. En patrouille! J'attends mon rookie! Vas-y, c'est un sort de pitlin le. Bon, ah putain, ouais, pitlin. On part en patrouille. Oh, on y va, on y va. Je te suis, hein. Merci, ça va et toi? Je parle avec qui du coup? Ouais, là, okay. José, ici. Tu pars avec. Ok, okay, 40. 40, je veux qu'il y ait au moins deux unités pour prendre au niveau des vêtements des gants de chaîne là pour sécuriser. Ici, Adam 27, on s'y rend. Reçu. A 58 également. C'est reçu. Bah on prend une bagnole et on se casse. En bas. Ouais, en bas. Bah ouais. Quoi? Mais quoi? Allez, let's go. 95, mets-toi avec. Du coup, t'es en grosse 40 et 50, c'est ça? Je sens que c'est la plus grande dragueuse de Los Santos. Mais elle c'est faux. Elle va concourir au Fame or Shame. Hein? Mais. Pour représenter les danses ou ça se passe comment? Non, non, pour draguer. Elle va draguer le jury et du coup ils vont voter pour elle. À aucun moment. Ah ouais. La bravado c'est une buffalo en fait. Oui, oui, exactement. Buffalo Steaks. Une marquette du MK. Adam 10, tu peux retourner au PTP s'il te plaît? On est en aura? Non, on est oui, pas on est là. On est en. Quoi? Non, sérieux? Putain! Putain! Oh, ce feu rouge il prend du temps parce que vraiment on respecte vraiment tous les feux rouges et tout. Ah moi je suis là. Spoiler, nous on s'en bat les couilles. Ouais, clairement. Ah putain. Sentis, t'es bien bourré hier vous hein? Hein? T'es bien bourré. De quoi tu parles? Ah, 40, 70, vous êtes où? Ah, j'arrive, j'arrive. 66 et 40. De 40, 40, on est reparti avec le 150, nous avons embarqué pour une mission bizarre. C'est bien reçu, God bless America. Good bless, le pauvre, on l'a laissé. Good bless. Good bless, je l'ai tué. Sérieux, elle vient niquer une phrase. Good bless, elle vient nous enculer, genre. Mais. King 25! C'était assez, hein, mon gars. Tu peux venir au PDP récupérer 80. 4. God bless. Oh là là. Bon, sinon, vous avez bien dormi? Oui. Moi j'ai dormi, mais comme un bébé, hein. Sérieux? Ah, j'ai trop bien dormi, hein. Et ben. C'est que j'ai dormi de. Putain, 6h du et matin. Pour la drone, ce qui est passé à fond, calmez-vous, s'il vous plaît, là, vous avez pas vos codes. Ça, tous les coups, c'est 57 hein, qui vient de se faire cramer. En parlant de ça, de 40, 40 là, j'ai aucune aide sur le terrain, pourquoi j'ai le droit de sortir? Ah,
y a moi en Edouard, mais... Qu'est-ce que reçu? Vous êtes pas sur le dispatch, ouais, pour le dispatch, tu m'en rajoutes. C'est ce que je viens de le faire. Reçu. Reçu. Non, mais vous êtes pas en Torrens 70? Négatif, non, mais je répondais au fait qu'il y avait aucune Edouard sur le terrain, ce qui était faux. Oui, donc la Torrens... Ah bah c'est inutile ce qu'il a dit, alors. Edouard, s'il vous plaît, à part que vous avez une Torrens qui est pas de la DD, merci à vous. Bing, boum, bam. En fait, elle a répondu pour rien, j'ai pas compris. Je sais pas. Mais attends, du coup, nous, on est en quoi, là? On non. est en tango. Juste une tango. Ouais, ouais, mais les autorisations particulières, c'est pour ça que c'est de la gueule. Les autorisations particulières. Au fait, les gars... Il y a un invité qui répond aux 60 ans sur le mur. Tango 10, on va s'y rendre. Par rapport à ce qui s'est passé hier, effectivement, c'est pas mon genre de base. Vous avez vidé un compte en banque, hein. sachez-le. Quoi? Comment ça? Mais vous avez mis un compte en banque. S'il y avait quelqu'un qui avait des billets ou du cash ou il y avait un distributeur chez moi, il serait pauvre aujourd'hui. Quoi. Comment ça? Bah écoutez, vu les danses que vous avez tapées. Ah oui, tranquille. On commence à grogner, on va aller faire le cul. Arrêtez-vous sur le bas-côté! Il faut s'arrêter, arrêtez-vous. Vas-y, 66. Je vais se couper le contact. L'autoroute, cognon, va. C'est moi que vous insultez, espèce de salopard. Eh, c'est toi le salopard. Allez, vas-y, 66, là, on va aller. La totale, hein, la totale pour lui. Hein. Mettez-vous sur le côté, messieurs. Hola. Como estas? Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Attendez, je vais récupérer ça. Un petit peu contre le mur, s'il vous plaît. Ouais, ça sent la merde. Je vais mal entendre ce que vous avez dit, là. C'est moi le salopard, monsieur. Alors, c'est toi qui m'a dit, salopard? Moi, il t'a dit, c'est toi. Si, si, c'est le premier à parler. Bien donc, sûr, c'est moi. Moi, il t'a redit ce que tu m'as dit. Donner ses données, reprendre ses volets, hein. Vous savez, c'est toi qui m'as volé. Vous êtes un voleur? Je viens de vous le donner. Non, j'ai une suspicion raisonnable. Ah oui, carrément. Vous l'avez donné, ok. Putain, il y a rien fait. Vous avez quelque chose de dangereux sur Obsidian? Je crois qu'il m'écoute, mais à part ça, non. Oh, Magidol. Hermano, crois-moi, quand ça attaque, ça fait des dégâts. Quoi? Mais on montrait les autres. Exactement. Ah merde, pardon. Oui, je sais, je suis allé un peu trop. Alors, oui, effectivement, c'est pour ça qu'on vous arrête. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas sans souci. La coachée, elle est allée. Il y a beaucoup de salopards là. Vous pouvez vérifier la plaque. Merde. Vous pouvez vérifier la plaque, elle est allée là. Qu'est-ce que la gueule dedans? Ah! Monsieur! Et depuis quand le police, vous avez des coachés comme ça? Tu peux montrer ta carte d'identité, s'il te plaît? T'as dit quoi? C'est la carte d'identité. Juste pour qu'elle voit sur le parking. Tiens. Vous avez bien, seigneur? Ok, parfait. Ok, donc s'il vous plaît, évitez de rouler à la vitesse où vous rouliez. Oui, c'est bien reçu. Oui. Excusez-moi, c'est de ma faute. Et les insultes aussi. Hein. N'est-ce pas, Lorio, tu as insulté en premier. Attends, mais c'est qui là? C'est moi qui? Oui, c'est Mathieu. Je t'avais pas reconnu. Allez, file. Mais vous roulez doucement. Ok, t'inquiète pas. C'est pas conduire. C'est bon. Captain, j'ai été fucking go. Il est en train de m'enlever, regardez. Il y a un poste de police. Quoi? Comment ça, il a vomi de rire? Eh mec, tu peux partir avec lui parce que dans 10 minutes, je bouge. Non, mais attendez, par contre, je pensais que vous alliez faire un autre truc. Vous voulez qu'on se rejoigne? Mais allons-y. Je pensais que vous partiez faire un autre truc là parce que vous avez disparu. Allons-y! Non, Captain, s'il vous plaît, je suis pas dis-lui capitaine. Que je viens avec lui! 66, je vous propose de faire la même chose qu'elle a fait la dernière fois. Quoi? Non! Mais non! Non! Version hardcore, il veut. Quoi? Au unicorn. Mais dans une chambre. Mais quoi? Fermé mais... et avec 3 copines. Carat, arrête tes conneries, j'étais bourré hier! Elle a dit oui. Non! Et elle a dit j'adore ces conneries. Godis, code 4 sur le dernier 1060 de Miro. Il a dit ce soir très amoureusement, je vous. Allez, on barre, on barre. Quoi? Mais. Ça s'est fait péter le cul, 50. Godis, est-ce qu'actuellement un code 5 sur le 1060 du Pacific Bluff? Ah oui, je vais déposer au PDP, comme ça vous pouvez partir avec 85. Moi j'ai il s'est barré avec 66 en balle. Quoi? Ah ouais? Il est parti avec qui? 70? Pour qui? Eh, hey, Bébou, c'est bien ou c'est pas bien? Je te vois pas. Quelqu'un t'appelle Bébou, genre. Tu es où? Je sais pas, ça dépend de qui, tu vois.
Non, moi je vais vous laisser 66 et je vais récupérer 98 alors, c'est comme ça. T'as un truc à dire peut-être ? Non. C'est ce que je pensais. Non, mais j'ai compris, tu m'aimes pas, Carlotta, y'a pas de soucis. Une poursuite engagée ici alors, à gauche. C'est pas forcément que je t'aime pas. C'est que les arguments qu'elle me propose sont plus intéressants. Pardon ? Genre ? Le cul. Oh putain, le bâtard. C'est tout ce qui t'intéresse. Il était en poursuite, Kéla. Non, je rigole, évidemment, c'est pas cette blague. Non, mais j'ai bien compris. Alors, si c'était la seule chose qui m'intéressait, j'en aurais profité, ce n'est pas le cas. Okay, je vais conseiller matrimonial, par moi, très bien, j'ai juste d'accord, si vous pouvez ne pas parler en même temps qu'elle, c'est important en train de se clash là, merci. D'accord. Oui, je vous écoute, 66, j'ai pas entendu. Plus intéressé par 98 que par moi, y'a pas de problème. Non, moi je suis un homme, j'ai tellement d'amour à donner que j'en donne à tout le monde. Je vous crois pas, 40, je vous crois pas. S'il vous plaît, là, Twitter, les agents, dosez. C'est un troll master lui aussi, là. 40, j'ai un agent qui se rend sur les plus 60 au niveau du vaisseau Chibitch. De 40 pour la clim 25. Mais je comprends pas, je dois prendre 80, mais je sais même pas où il est. Ah, mais lui, quand il est fait. Il a pas de cas très long. Du 40 de l'agent. Allez-y. Je vais l'appeler. Du coup, 40 fois que vous serez bon, 25 vous l'aurez récupéré, vous prendrez en charge jusqu'à 60. On s'en charge avec 85. Reçu. Tu me fais passer pour 26, pas dans ce coup. Attends, comment ça? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu l'as dit au téléphone là? Mais non, oh là là, on rigole. Après, moi j'étais pas au courant que t'avais fait des saloperies avec lui. Mais j'ai rien fait! Bah, t'as confirmé tout à l'heure, non? Mais non! Mais il s'est passé quoi alors avec lui? Mais j'ai juste dansé, non? Oui, ça j'ai vu. Vous étiez là? Oui. Ah oui, oui, ça j'ai vu. Ah oui, oui. Je suis allé me coucher à un moment donné. Ouais. Bah, voilà. Mais avant, vous avez été au unicorn avec lui. Ouais, il y avait 17 aussi. 7 était dans vos plans aussi? Mais non, mais il s'est rien passé. Quoi? Je pense que le capitaine se tape tout le monde. Quoi? 20 pour 25, je viens de chercher au PDB. Oh merde. Et voilà, il m'a envoyé un message. N'hésitez pas à aller au Fermont Chem, hein. Ah, Fiondier. Jusqu'à qu'on va aller au Fermont Chem. On est déjà une Adam et un Tango sur place. Oui, oui, non, mais bon, pour regarder quoi. Ah non, c'est pas lui. On y aille, on va au marché. Mais qu'on aille là-bas? Ouais, en vrai, laisse-moi au PDPX, comme ça je récupère 98 et je vous laisse pas, enfin je vous force pas à faire un aller-retour pour la récupérer. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous dropper, vous allez partir tous les deux avec 98, parce que moi j'ai 10 dans pas longtemps. Donc, tu vas 10 dans pas longtemps, comment ça? Déjà, 350? J'ai un rendez-vous. Oh, rendez-vous galant. 20 pour 25, 80. La 81, pas 80, ce que j'accepterais, c'est que vous voyez quelqu'un. Tu sais ça pour? Foudroyé. Mais où ça au PDP? Service, bonsoir. Bah, juste devant. Voilà. Bonsoir, j'ai 54 prises de service, bonsoir tout le monde. Oh, mais il nous entend pas à chaque fois, c'est pour ça. On vous a compris, 54, tes élus, s'il vous plaît. Bonsoir, 54, bonsoir. Bonjour, lieutenant. Ah, je veux un bug, je crois. 54 prises de service, bonsoir tout le monde. Bonsoir, on t'a entendu. Bonsoir, 54. Bonsoir, les collègues, vous allez bien? On est sur Tinder là ou quoi? C'est quoi ça? Oui. Allo les collègues, vous allez bien? Eh, 54, si vous avez des nouvelles de votre collègue, vous prenez TPH et vous les appelez s'il vous plaît, pas la radio aussi. 10 pour 54, c'est possible de vous faire une petite carte sur le Trello pour qu'ils puissent avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Ah, c'est pas con ça. Ah, ça voulait tellement tout dire. Moi, je me casse. Il m'a mis trop bien ce matin. Non, là, il m'a mis très très bien. C'est qui a rigolé? Bonne soirée. Bonne soirée. Il m'a mis trop bien. Oh, vous êtes un salaud. 20 pour 25, 80 qui t'attend sur le parking du PDP.
154, ça va? Hein? Bonsoir. Bonsoir, ça va? 170, en forme? Bonsoir, 54, ça va? Bonsoir, ça va et toi? Bonsoir, 54. T'as passé une bonne journée? Bonsoir, ouais, 66, t'as passé une bonne soirée? Très bien, là, ouais, très bien. Comme... Et toi? On a de bonne humeur, 70, ça va? Ça gaz? Aïe. 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 70. Ah, c'est pas aïe, 54, c'est une tempête. Ça a changé, hein, je... Tu gazes ou pas 70? Aïe, aïe, aïe. Allo, 70, ça va? Oh, je suis si heureux. Tu veux conduire? Vas-y. Oh, bordel. Je vais pisser dans le gobelet. Oh, il a frappé. Non, il a frappé. Vas-y, roule, 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 roule. C'est pas notre dose, ça. Roule. J'arrive, hein. C'est dans la boîte à gants, là. Attends, il faut que je fasse le traîneau. Ça va, on vous dérange pas en plein milieu de la route, là? Hein? J'ai pissé. Ouwa ouwa. Nanana. Tu m'as dit quoi? Faut que je fasse pipi. Vas-y, vas-y. Vas-y, je vais. Vas-y, je reviens. Salut Yanis. Wow. 54 dans mon bureau immédiatement! Oula! Ouais! Pardon, je suis là. Ben, je vais voir, je vais te voir. Quoi? C'est par rapport à toi, 54? Bah non. Ok, je pense que c'est par rapport à toi. C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Du Tango 27 à Centrale, on décroche au niveau de l'événement. Trop de personnes réunies au même endroit, on décroche sur le terrain. 10-4. Ah, il y a eu un 54 dans mon bureau, d'accord. Tango 27, on est en 10-19, et leur dernier 10-60, il nous est Pacific Bluff. 10-4. Il a dit quoi, l'autre, là? C'est pas le président. Tango 27, on se rend sur le dernier 10-60. Peut-être que vous êtes, enfin, on sait jamais. Hein. Pour le moment, c'est tout blanc, vraiment.
salut. Quoi, tu fais quoi du coup là? Là, je vais juste briefer un truc, j'en ai pour 5 minutes. Ok. Et j'arrive. Mais t'es où là? Je suis en haut, je suis bureau interne à l'affaire. Ok. Ben, j'attends. Tu veux monter, tu peux, hein? Ouais, j'attends devant. Vas-y, zap, petite. Ouais. C'est pas ce dessus encore. Bonne soirée, 54. Enfin, par terre. Et voilà quoi. Il s'est vraiment fait virer. Non, ça, c'est du brouillon, ça. Tu connais pas la musique encore? Si. Au revoir, Parker. Bon, 66. Oui, bonsoir. Le respect, moi. Vous en pensez quoi, Excel? Vous trouvez pas que 66 a une très belle coupe de cheveux? Moi, j'aime bien. Moi, j'adore celle de... Quand quelque chose à dire. Merci, merci. J'aime beaucoup la vôtre. Merci. Très mignon. Bah écoute, j'attends de voir, je vais récupérer... Moi, j'ai récupéré 98 derrière. C'est vraiment que des bandeurs, c'est incroyable. Moi ah, c'est pas nouveau, c'est pas bien. Je suis grave un bandeur, ouais. Vous reviendrez avec une lettre d'excuse, vu que vous savez faire des grandes paroles, des grandes phrases. Des grands mots que des mots. Et peut-être qu'on verra pour une réintégration. Ouais, c'est du moyau, hein. Du grand théâtre, hein, du grand cinéma. Hein. Du grand art. Ah, j'ai pas, avec un grand public. Donc, voilà, oh, mais... c'est pour le grand public. Vous allez me rendre votre équipement avant ça. J'ai compris. Même vous excusez, vous arriviez pas, hein. attends, qu'est-ce pas que je veux dire? Hey, on fait quoi 66 ce soir? Je sais pas. Punaise de bordel. 70. J'ai hâte que vous fassiez la formation. Au revoir les collègues. Accompagnez monsieur Parker s'il vous plaît jusqu'au vestiaire. Assurez-vous qu'il ait déposé l'ensemble de ses effets personnels. Équipement de police complet. Munitions. Capitaine, je peux faire au moins un dernier message en radio? Il se passe quoi? Pour annoncer ma démission, enfin mon licenciement. Démission? Quoi? Si vous faites ça, ce sera irréversible. Ah, vous m'avez viré, laissez-moi au moins annoncer. J'attends votre lettre d'excuse si vous voulez un retour. Si vous l'annoncez, ce sera irréversible. Capitaine, je respecterai toujours vos décisions et je peux pas m'excuser si j'ai rien fait de mal. Vous êtes irrespectueux. Non, capitaine, je vous ai simplement dit que ne me dites plus jamais que je dois me mêler de mes affaires quand ces affaires nous concernent tous. J'ai de la famille dans le Nord, capitaine, c'est pour ça que je prends cette affaire très au sérieux. Mais c'est pas grave, capitaine, vous pouviez pas le savoir, capitaine. Revenez dans mon bureau, on va avoir une bonne discussion, vous et moi. Non, capitaine, vous pouviez pas le savoir, capitaine. C'est pas grave, capitaine, votre décision est la vôtre. Revenez là. Je comprends rien à ce qui se passe, là, 54, oh là là là. Je suis perdu, bon. On était où, quoi, on discutait de quoi, je sais même plus. Ah oui. Non, je disais... Ouais, on fait quoi, oui, ce soir? J'attends avec impatience la formation PPA2 et... Yes, yes, ça va être dans la semaine. Ouais, c'est voilà, ce que je leur dis, les gens me posent la question, je leur dis, faut demander à la PA. Oui, nous, ça va être dans la semaine. Il me semble que c'est ça, hein. Oui, mais capitaine, parce que je peux pas faire une formation capté, PPA juste pour rigoler au début, mais quand vous m'avez dit... Oui, c'est ça, affaires, faut organiser ce que je leur dis, pareil, c'est la faut la capitaine. Je leur dis de solliciter, comme ça, au bout de 3 ou 4 sollicitations, tu fais oh, la Marie, je m'en fiche un peu. Ma grand-mère, capitaine. Par contre, oui, mais PPA2, je dis pas non, quoi. Il y a donc la Marie, c'est capitaine. Les deux roues, Je sais pas pourquoi, je vais pas mentir. Parce que c'est impossible, je voulais t'envoyer une photo. Parce qu'elle était coupée. Photo de quoi? J'ai osé mettre des chaussures blanches à moto ce soir. De faire. Mais quelle idée de merde. Il y a vous savez, capitaine. Quelle idée de merde. Faire, oh là là. C'est pour ma patrie, capitaine. Désolé, capitaine. C'est pas grave, capitaine. Dans tous les cas, je comprendrai que vous voulez me virer. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoute, j'en sais rien, je crois que 98 arrive. Et tristesse que j'accepte ce licenciement. Mais oui, je suis un bandeur, fier de l'être. Voilà, je suis un bandeur. Ah ouais, et bien que je m'excuse. Trouvez 66, je suis un beau bandeur, non? Choix est éliminatoire et vous ne pourrez pas revenir en arrière sur cette décision. Ouais. Il n'y a aucun problème. Moi, je dirais plus que c'est de l'humour. Donc. Ouais, j'en ai rien à foutre. Vous avez bien compris. Vous allez être sous la responsabilité
de 40 pour ce soir. Vous allez mener des opérations à Los Santos. Parce qu'à Los Santos, si. Force à toi. Force à toi. Sinon, c'était moi. Et alors, moi, je lui ai dit, c'est bon. Ok. Oh, l'enculé. Force. Attends, je pouvais patrouiller avec 66 et 98 à l'aise, Benz, allongé à l'arrêt de la voiture et je me trouvais avec 54. Donc ça veut dire que on va devoir, on va pas se patrouiller ensemble. Oh ça va, vous irez bander ailleurs. Oh. Oh mais non, mais 70. Elle est aigrie hein. Vous êtes aigrie, sergent. Oui. Non mais on patrouille jamais. C'est parce qu'on patrouille jamais ensemble. Moi je trouve pas que vous êtes aigrie. Non c'est pas aigrie, être aigrie c'est. Oui docteur Lom. C'est simple, j'emmerde tout le monde à partir de maintenant. Mais c'est pas être aigrie d'emmerder tout le monde. Non non mais il y en a qui sont là. Ouais tu fricotes avec des bagos machin, niquez vos darons. Alors. Au début c'était ouais t'es aigrie. En vrai je t'envoie ce machin. Je me suis calmée et maintenant que je vous faites 70. Que de... Je discute avec 70 là. Tu peux aller chercher Love après. Ouais. À Casbah, s'il te plaît. Ouais. Elle est partie en égo là parce que j'ai coupé. Ma vie est trop belle. Bon ouais si tu veux bien, tant que je gère. Mais vas-y, je voulais être avec toi, ça me pète. J'ai grave la haine, bah tout à l'heure de toute façon. 85. Je vous laisse voir avec 54. Bah, ok, vous voulez pas vous? Non, je vais avec 66, moi j'ai d'accord. Bien okay, à faire. Bon. C'est quoi ce bordel là? Je prends. Faut que j'aille chercher 98. Ah, 98 également, bah super, on part en, on part en tango. En tango? On va danser le tango ce soir. Ok. Bisous 40 hein. Merde, tu m'as pas entendu. Tant pis, c'est pas grave. À l'envers. Là, ah, vous marchez trop vite. Ah. C'est 45, monsieur. Attendez, c'était. Oh, on arrive te chercher, ma belle. Moi, je sais, ma Didicon, merci. À tout de suite. Je suis à tout de suite, je suis devant le garage. Ouais, ok. Là, à la maison. Ouais, ouais. Okay, je suis au niveau du sur le trottoir. Ok. Je fais la prostituée là. Ok. Elle est à la maison d'hier, de la soirée d'hier. D'accord, on va aller la chercher. Adam 27, on est sur la 1056, la véhicule noire occupée. Allez-y, conduisez. Je vous en prie, c'est bien. Tiens, tiens. Attendez, parce que. Bah vous avez vos préférences, Captain, y'a pas de problème. Non, on va aller autre. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je vous jure, ça me fait titler ça. C'est trop. Mais qu'elle est là la soirée hier. C'est ça. Exactement. Non, je rigole. Oh putain, je me rappelle même plus ce que j'ai fait. Enfin, presque. Je tourne avec tous les officiers ce soir. 40, 50, 85. De 40 pour 17, j'ai votre MS que vous avez demandé à l'accueil du poste. Quoi? C'est pas celle qui m'a dit ça, hein. J'ai pas compris, vous avez dit quoi? J'ai pas compris. Ah, c'est bon? C'est combien? Oui. Pardon. Venez, on va au Fame. Pourquoi? Ah ouais, mais il faut juste qu'elle prenne ce... Enfin, je prends mon service, capitaine. Son service. D'accord, ok, ça va, vous avez bien dormi? Bah, super, et vous? Ouais, bah ouais, super. Ça a été vos enquêteurs? Après vous êtes parti. Nickel, au top du top. Parfait, parfait. Y'a des choses intéressantes pour le moment ou... Absolument pas. Hein?
Tango 10, on sera sur le dernier 1060. C'est reçu. Fait chaud en ville aujourd'hui. Ouais. Très chaud. Très très chaud. Ça va, tu t'es bien reposé d'hier là? Ouais, moi je pète la forme hein. Ouais, moi aussi je pète la forme. Vas-y, on t'attend ici. Vas-y, merci. À tous. Si vous me demandez, ne me demandez pas. Hein ? Ok. Sans entre poulettes sous les liens de fond. De 48 18, bonsoir. 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 De 40, est-ce que j'ai Jibril sur le terrain actuellement? Il me semble pas. Hein. Votre future ancienne rookie favorite est de retour. Let's go. Prête à casser des culs. Mm-hmm. À casser des culs. Fais pas, s'il parle pas, je crois qu'il s'est endormi un petit peu. Ah. Par contre, faudrait dire à 54 d'arrêter de crier dans le poste, hein, parce que putain, on l'entend partout. Oh, pas de nouveau ça. Je suis dans le vestiaire, je l'entends d'en bas. Oh là là. Bah alors? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah, c'est rien, c'est 66. Ouais, y'a trop de monde. Ouais, vous pouvez descendre du véhicule au pire, on va s'en occuper. Bah si je peux, oui. Ah. On va changer de place, hein? Ouais. Vous allez. Ça peut être pas mal en vrai. Ça peut être pas mal. Me regardez pas, je me change. Hein. Vas-y, si tu veux. Ah, vous avez déjà mis le à jour, parfait, oh, merci. Un petit peu, 85, un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Une unité présente sur les 1060 à l'aéroport. Du coup, il se passe quoi? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Femorchim. 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 Bah, ça répond pas en radio. It's fame, her shame. Bonsoir. Adam, bonsoir. Rendez-vous sur la 1060, s'il vous plaît. Je dois mettre mon gilet. Oui, on est en code orange. Ah, bah, ok. Votre gilet, capitaine. Adam 17. Ouais, vous inquiétez pas, j'ai pas peur. Scott. D'accord. Rendez-vous sur la 1060, s'il vous plaît. Scott. Et soyez réactifs en radio, s'il vous plaît, tout le monde. 14. De 40 pour 70, vous voulez bien reprendre la supervision? Si vous pouvez pas la prendre, si vous voulez. Ouais, si je vais partir sur quelque chose, je pourrais pas superviser en même temps.
Et t'arrives quoi? Pourquoi t'es en canne? Pourquoi je suis en canne? Je me suis fait tirer dessus. Je me suis cassé la gueule dans l'escalier. Oh putain. Ah, super. Je t'ai fait tirer dessus. Comme d'hab, comme d'hab. Par les haters. Jaloux, tu comprends? Ah ouais, je comprends. Le talent, la beauté, tout ça, tout ça. Oui, c'est ça, c'est la jalousie, mais c'est pas grave. Évidemment. Oui, les vagos, los vagos, tu comprends? Tout le monde veut nous tuer. Ah, j'ai hâte d'avoir ton uniforme. Et nous sommes dans la lune de mer, sur le viseur. Tu comprends? J'en ai marre des manches longues, j'ai trop chaud. Une idée. Vraiment, si là, vous mettez pas du jeune et que vous. Cravate, vous... j'ai l'impression d'être. C'est pas pour ça, normalement. Et moi, je revendique le jeune. J'ai l'impression d'être à l'agent sécurité d'aéroport. Ah ouais, défendez-vous. Je défends le couleur. C'est ça, quand tu voulais attacher le capitaine, ça y est. Mais vous avez totalement raison. Bon, voyons donc. J'ai totalement raison. J'ai pas voulu l'attacher. Tuez tous ceux qui se posent à nous. C'était pour imager. Ah ouais. Allez voir le gouverneur. J'ai pas fait ça quand même. T'es quoi? Je vais le voir. J'ai pas fait ça. T'inquiète. Oh putain, je... Mais ton ami il a perdu la tête. T'as fait des dingueries. Ouais, j'ai dansé, mais. Non, t'as pas été jusque là, mais. Okay. Presque, hein. Quoi? Faut que j'arrête de boire, moi. Déjà, franchement, je pense que t'as touché Popol hein, à des moments. Quoi? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tango 10, code 4 sur le dernier 1060 du Court Center. 10-4. Je fais 10-4. Bien ou quoi? Bonsoir. Ça va, bonsoir. Ça dit quoi ma copine? Putain, t'es super sexy dans ton uniforme. Ah, ben merci hein. Putain. Ah. C'est comment là? Plus de nouvelles bonnes nouvelles ou quoi? Bah écoute, t'as payé ton amende, je suis plus ta tutrice hein. Ouais. Mais tu restes ma maîtresse non? Quoi? Tu caches des choses. Non mais quand je suis sexy, 98, quand je bois, je dis je fais n'importe quoi. Attends, tu lui donnes des tickets quand t'es bourré? Non, il s'appelle TK. Enfin, c'est son pseudo quoi. Yo. Fais-moi police, s'il vous plaît. 66 non. Hier, j'étais bien tiré là. Ah, regarde. Oui, dites-moi. Oh là, mettez-moi les menottes tout de suite. Et je m'écoute le mur. Je suis en position d'arme. J'aimerais trop. Je vais faire un attentat. Bon, les girls, je vous laisse, vous m'appelez si besoin. J'aimerais les menottes. J'aimerais trop. Madame, vous voulez pas m'arrêter? De personne m'importune, s'il vous plaît. Vous voulez pas m'arrêter, madame? Bah, vous allez où, capitaine? Dire quoi? Ah oui, capitaine. Beaucoup bête, capitaine. Capitaine! Dis, vous savez, vous avez besoin d'un coup de main. Mais vous allez où? Je repars, je tiens pas debout, personnellement. Ah bah. Je tiens pas sur place, là. Ça m'énerve d'attendre. Moi non plus, ça m'énerve d'attendre. Ok, pas venir là. Vas-y, on y va. On repassera. Merde, en haut. On va rester sur un truc de merde comme ça. Enfin, un event où ça bouge pas. Fébril. Ouais. Ouais, je suis tendu, ouais. Ah, vous êtes tendu. Je suis tendu. Une raison particulière? Non. Vous savez, capitaine... De 40, du 38, de monsieur Wap, pour intervention positive, 10 articles récupérés. C'est reçu, pour information, le Wap, là, il faut que vous colliez le train d'accord. Il est affilié à Zach Making et à ses projets du Nord. C'est reçu. Et il va où? Il va où? On est là. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Du coup, je disais, si vous avez besoin de quelqu'un qui parlait, on est là avec 66, capitaine. Oh, parler? Ouais. Pourquoi pas? J'ai quelques notions de psychologie, si besoin. Très bonne pour écouter les gens. Mhm, mais encore. Vous pensez vraiment que ça a foutre moi? Je fais des très bons massages pour détendre les muscles. Ah bon? Ah ça c'est une bonne info ça. Écoutez. J'ai été pâtissière, je pétrissais la pâte, donc oui effectivement je suis très bonne. Je confirme, j'y ai eu droit. J'ai des mains de fée. De 40 pour 54, notez bien que allez-y, vous arrivez, vous avez un petit peu. Oula, vous avez pas peur? Vous avez pas vu mon rapport
si bien t'as dit. Je pense que c'est pas pire que moi. Attendez. Oh, oh putain, il a pas peur. Hein. Moi j'ai peur. Ah bah pas, moi j'ai pas confiance en moi. Ah bah. Super! Vraiment la conduite c'est mon seul vol. Écoutez, je vais vous dire un truc, j'ai un objectif dans ma ville actuellement. Comme ça vous le savez, je vous le dis, c'est comme ça c'est dit, ce qui est dit n'est plus à dire. Dis pas le nord et tout. Ah pardon, je savais même pas qu'on allait au nord. Des patrouilles. Bah là c'est direction le nord. Ouais. Autant pour moi. C'est pas. D'accord, bon sinon vous vous embrouillez. Non, 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 je vous écoute, capitaine. Vous avez un objectif, oui. Y a un truc pour faire demi-tour. Oui, y a un truc pour faire demi-tour là. Oui, tu peux. Oui, oui. Du coup, on vous écoute, capitaine. Excusez-moi, c'est parce que je suis vraiment ça un bras cassé. Ça m'a perturbé, du coup, j'étais obligée de lui dire. J'ai pas envie qu'on se fasse. Vous voyez, on a plein de choses à vivre encore. C'est pas le jour pour mourir, vous comprenez. Enfin, du moins, pas encore, quoi. Justement, si c'était votre dernier soir avant de mourir, là, qu'est-ce que vous feriez dans votre liste, quoi? Plein de choses, je pense. Hein. Ouais, plein de choses, hein. Non, mais vraiment, un truc, quoi. M'envoyer en l'air. Je pense. Plein de choses, quoi. Ouais. Je pense même que si c'était vraiment le dernier jour et que je le savais, je me mettrais de l'autre côté et je ferais un braquage. Oh. Ah oui, la dinguerie. Juste pour l'adrénaline. Et voir ce que ça fait. Non, c'était une blague, bien sûr que non, je ferais pas ça. Mais par contre, ouais, il y a plein de choses, des trucs à sensations fortes, ça c'est sûr. Des choses que j'ai jamais fait, éventuellement. Je vois, je vois. Bon, venez, on va chercher des noises aux gangsters, etc. là, plutôt que de se toucher sur des autoroutes. Bah oui, mais attendez, j'essaye de sortir. Bah, pff, toi aussi, tu prends les autoroutes. Pourquoi tu prends les autoroutes? Pourquoi tu dis que je connais pas cette ville? Vas-y, attends. Fais demi-tour là. Ici? Je sais pas où. Non. Oui, alors. Où tu peux. J'en ai marre de lag. Oui, bah oui. C'est par là? Bah, c'est très ouais, bien. Ouais, pour retourner en ville, ouais. Vous récupérez les informations et derrière, vous ne lui rendez pas le Desert Eagle. Là, tu prends la droite. Vas-y, continue. Là, tu continues. Après, on va sortir, on va prendre une sortie. J'appelle le SLO. Bougez pas. Lequel? Non, on redonne aucune arme. On ne donne aucune arme. Fonctionne pas comme ça nous. Si j'entends un jour que vous avez donné une arme à un brigand terroriste, là, tu prends à droite. Je vous traiterai plus terroriste. Et après tu reprends à droite. La fin ne justifie pas les moyens. J'appelle le SLO, j'essaie d'agencer ça. Une vraie copilote, punaise. Excusez-moi. Tu regardes où là, l'homme? Nostania, faites attention à votre compte, s'il vous plaît. J'ai. Au niveau de Chamberlain. Attends, j'ai pas mis ma main sur ta cuisse, dis-moi. T'es reçu en radio? On était pas en contre-sens, mais t'es reçu. Faites demi-temps, vous allez voir si t'es pas en contre-sens. Allez, c'est capté, merci à vous. Oui, allô? Je vous attends. Ouh. Oui, non, on va pas faire demi-tour de baiser Guapo là. Appelez-vous par TPH. Faites en sorte de baiser Guapo, faites-lui courir, vous allez lui rendre l'arme, prenez l'info et ne lui rendez pas l'arme. Allez, super. Si, vous êtes un enculé, vous êtes la police. Voilà, tu descends allez. Un petit peu, je pense qu'il y aura peut-être des gens vers la gare. Vers la station d'essence, plus loin. Ralentis. Il y a Maïs Bank, j'avais oublié. Jusqu'à ça, ici. Ouais, non, vas-y. C'est non, bon, mais je sais ça, y'a personne. On s'en fout, on y va, on les baise. Ok, mais y'a personne de toute façon.
Tiens, question. Ils habitent où les Maras 18? Elmoro. Elmoro. Où ça exactement? Bah, le Elmoro. Le truc là, là où ils sont là-bas quoi. Genre vers le Elmoro. Tatouage là? Ouais. Bah, vas-y, va vers là-bas. Désolé, je te fais faire des demi-tours. C'est pas grave, je gère, t'inquiète. C'est juste des fois, tu sais, le frein à main et tout. C'est les vitesses, tout ça. C'est toujours facile. Oh, pardon, je regardais pas la route. Par contre, vous êtes au courant que. Ce serait bien quand même que tu regardes la route parce que t'es quand même au volant. Oui. C'est vrai. Mais par contre, si. Attends, deux secondes. S'il vous plaît, on aurait besoin d'un 10-35 au niveau de l'aéroport LF. Apparemment, il y a plusieurs pentes. Merci. Ah, c'est ce quartier-là. Va. Fais de. T'as le droit d'y rentrer pour... Non, pas dans le quartier, mais. Une passe sur Pacifique Buff et sur l'aéroport pour les ventes de drogue. Sur la route, là, comme ça. Juste pour voir. Tango 10 Ivan, nous faisons un 10-38 sur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a un mec à la place? Il y a un mec par terre là. Je vous remercie. Pourquoi il y a des mecs qui lèvent les mains? Ah, il faut. Ok. Vas-y, avance. Ok. Ils sont chez eux. Du coup, là, je fais demi-tour, on a demi-tour, pas. Demi-tour, ouais. Demi-tour. Oh, j'ai du bal hein, petit vitesse. Hein. Fais gaffe au mec sur la route. Oui, t'inquiète. Vous avez t'inquiète. Du mal à passer les vitesses, c'est le meilleur véhicule que vous pourrez jamais conduire de votre vie. Et non, vous mais voulez il, passer il est officier. Très bien. Non, il est très bien le véhicule, mais je m'entraîne à la conduite, capitaine. Eh ben bordel. Capitaine, vous voulez qu'on aille sur l'aéroport ou pas pour le 1060? Allez-y, ouais. Ok. Tango 85, on se rend sur les 1060 de l'aéroport. Oh non! Le limitateur, excusez-moi! Si tu veux que je conduise, hein, tu me dis, hein, y'a pas de soucis. Sur, les sur l'événement du FM, s'il vous plaît, mettez-vous dans opération en hors terrain. Je vous remercie. Pourquoi? Attends, je crois que j'ai pas pris le. Bonsoir. Bon code. Allô? Parce que ça me dit pas au même endroit. Y'a pas de médecin de service là? Comment ça se fait? Ah ok, mais comment ça se fait qu'il y a zéro médecin? Je comprends pas. Ouais. Ok, ça marche, merci. J'essaye de rappeler, décrochez pas s'il vous plaît. Vas-y doucement quand tu passes à Maisbank s'il te plaît. Bonsoir madame, vous travaillez actuellement? Ok d'accord, c'était pour savoir si vous étiez en service ou pas. Allez, merci beaucoup. Ouais, bah y a des appels en cours, donc c'était pour savoir quoi. 58, 10, bonne soirée. Allez, merci. Bonne soirée. Super. Ok, merci. Merci. Bonne soirée. Vas-y doucement quand t'arrives à l'aéroport, parce qu'il faut pas qu'ils captent que... En bas, tu, en haut tu, vas-y, ouais. Par en bas. Voire même on peut s'arrêter avant d'aller sur place. Il y a un parking là. Roule doucement. Si c'est en face là-bas. Ok. Regarde, rentre dans le parking vite fait. Vas-y, avance. Non, avance tout droit. C'est pas de véhicule, de toute façon, ici. Okay, de l'autre côté. Vas-y, sors.
Oh, mais il se passe le moment là. À centrale 10-19 vers le dernier 10-60, il vous est sur le beach. C'est en fait. King Van est juste à côté. 10-4, c'est bien pris, 10-22 alors. Okay, bah... On verra un peu sur les ajustes contrés il y a 2 minutes. 10-4, c'est bien pris. 4-4 sur les 10-60 de l'aéroport. Vas-y, retourne en ville. C'est par là, hein. En haut, en bas. Ouais, non, c'est toujours là. Oh là là, 98, vous êtes une galère. Eh hey. Ça me stresse. Ouais, excusez-moi, hein. Comme je t'ai dit, je peux conduire, mais pas proche de la Maze Bank. Déjà, je suis surprise, je me suis pas trop pris de poteau, hein. Ça veut dire que j'ai fait l'effort. C'était pas une pilote, c'est pas grave, hein, tu sais. Non, mais c'est le temps, c'est le temps que je reprenne en vrai. Après, là, tu conduis une révolteur, t'es pas censé conduire une révolteur de base, donc. Voiture, il y a des voitures. Oh, vas-y, vas-y, continue, continue. Bon, ils sont où les méchants là? Oh, mes oreilles. Pardon, désolé. Putain, mes oreilles. Désolé. J'ai réveillé tout le monde. En plus, capitaine, excusez-moi, je me concentrais sur tous les codes, etc. Du coup, je pouvais pas apprendre la ville, les codes et tout. Ouais, mais vous avez quand même passé le permis, non? Oui, oui, j'ai passé le permis. Ok, ok. Tourne à droite à la prochaine. Vas-y, à gauche. J'aurais besoin de renfort sur Del Perro Beach sur mon dernier code. Allez, venez, on est 22 pour un 10-60. Tango 85. On s'y rend. Pardon, désolé. Vous pouvez réitérer. Tango 85, on s'y rend, faites un code 2 s'il vous plaît. Oui, alors, comment ça se passe? Tango 10-4 sur le dernier 10-60. À ce niveau-là. Ah, mais en même temps, Guapo, vous savez, il marche jamais un pied devant l'autre celui-là. Bah, je suis le code. Non, mais vas-y. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses d'âme. N'hésitez pas à lui mettre un coup de pression au 54 en lui indiquant qu'à la fin de la soirée vous devez lui vous devez faire un rapport le concernant. Hein. Là, ils sont là. Attends, vas-y. Ah si si, faut qu'il nous le crache toutes les infos possibles. Hein. Bah oui oui. Bah, je fais quoi? Non. Bah en fait je sais pas pourquoi ils nous ont donné. Les gars. Oui. C'est pour allez, quoi, merci. Du coup le 10-35. Merci. Oh, allô, allô, les bots là, on répond! Ah, j'ai répondu tout à l'heure. Bah non! Ah, bah, pourquoi vous avez besoin de renfort? Par rapport à 3 véhicules qui font des 10-60 tout à l'heure. Bah, ils sont. Okay, très bien, mais ils sont à droite. Ils sont à droite. Ok, on va les ils voir. Sont plusieurs personnes. Ah, allez, Coco! Attendez, laissez-moi conduire s'il vous plaît. Parce que vraiment, j'ai besoin. Putain de merde! C'est pas ma faute, hein. C'est exactement les mêmes, mon capitaine. Les véhicules à droite, il y en a un là-bas, noir, sur la droite. Oh. Bon, ça va, je suis pas si pire. Et il y en avait un blanc tout au fond aussi. Mais côté droit, bien sûr. Encore? Oh! Oh, arrêtez de faire vos chochottes là depuis tout à l'heure. Oh. Attendez, elle est où la sortie de l'autoroute? Tu comprends pas? Mais. Ok, bon. Dites-le en sortie de 60 s'il vous plaît. Je vous déteste, Capitaine. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. D'accord. Bon bah.
Vous voyez le véhicule blanc là-bas, capitaine? Ouais. Et là, il y a une voiture aussi sur la gauche, garée. Vitre cassée en plus. C'est mal garé tout ça. Ouais, ça va envoyer en fourrière, ça. Véhicule ouvert. Le capitaine, il me déteste. Mais non. Comment ça, j'ai que les appels des... Oh, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je rigole, 98, allez, montez. Vas-y. Bizarre. Peut-être au niveau de la fête foraine. Par contre, j'ai plus que les appels des agents, j'ai pas les appels des civils. Pourquoi? C'est pas normal. Non, clairement pas. C'est à quelle heure le truc à la Maze Bank? Bah, c'était déjà. Mais... Ah, je sais pas, ça avait l'air ennuyant. C'est que ça avait pas démarré, ouais, c'est un peu. Ils se réunissent, mais ils commencent pas avant le moment, quoi. Ah, ok. Et on va se carrer là. Ouais. On va aller sur un toit. Ok, let's go. Merde. Ah, oh, c'est trop haut. Merde, je pensais que je... Merde, je pensais qu'on pouvait y aller. Non, c'est trop haut. Ah, attendez, il doit bien y avoir une échelle par là. Là, 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 il y en a une. T'arrivais pas à sortir. À gauche. Ici, il y en a une. C'est un truc de fou. Tango Van Allez, ouais, non, mais elle est pas bien. Vers le dernier 10-40. C'est rassuré. Tango 27, on vient d'écraser quelqu'un au niveau de l'armurerie près de la pizzeria en allant vers le 1040. On annule le 1040, on va pousser ce tour là. L'unité qui s'est rendue quoi à la place, s'il vous plaît? L'unité qui s'est rendue sur le 1040, s'il vous plaît? Négatif pour la Tango 85. Négatif pour la Tango 17. King va se rend sur le dernier 1060. Je suis claustrophobe, capitaine.
Mais qu'est-ce que... Capitaine. Si vous voulez monter sur le pont, il y a un moyen, hein, capitaine. Aidez-moi, je suis claustrophobe. Ouais. Répétez après moi. Attendez, une seconde. Répétez après moi. 98, répétez après moi. Non. Je vais apprendre à conduire. Je vais apprendre à conduire. Je vais descendre du véhicule rapidement. Je vais descendre du véhicule rapidement. Je vais sauter des toits en toits et je vais arrêter les bandits. Je vais sauter de toits en toits et arrêter des bandits. Ok. Donnez-moi de l'air, chinoise. Attendez, je vous libère. On part en 10-60, véhicule occupé une fois. On part en 10-40. Allez, vous en faites pas. Attendez, je range les cartons. Moi, je suis tombée. Ah, je me suis fait mal aux jambes. Ils m'ont enfermé. J'ai vu. Je vais pas te mentir, qu'à 98, ça m'a un peu fait rire. Je suis désolée. Tu sais que si t'es claustrophobe, tu seras jamais dans des unités spéciales. Hein. Non, en vrai, ça va, c'est des fois qu'il va pas sortir. Ah, d'accord. Bon, ça va alors. Toujours pleurer avec les hommes. Quoi ? Ah, c'est ça alors. Le secret, il faut faire les faibles. On part en ouais, moi j'ai mal, je me suis fait mal aux jambes. Face au dernier. Je te ferai un massage ce soir. Oh yeah, fais-moi un massage. T'oublies pas de mettre de la crème, hein. Véhicule, pour ouais. Que ça glisse bien quand tu masses. À taper. Ça va glisser comme papa dans mon sac. Oh yeah. Une lettre du facteur. Oh. Dans la boîte aux lettres. Là. Un fax. Ah. Hop là. Hop là. En plus, j'étais vraiment bloquée dans le véhicule. Je voulais vraiment pas sortir. Hop là, ça c'est fait. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait, capitaine? Bah, je rangeais les cartons. Ah. Ouais. Et bah oui. Les 12, on a actuellement des personnes qui se prennent en otage sur quoi le côté. Vite. Oh bordel de. On a actuellement une tailgater bleue, je saurais pas dire le modèle, ainsi qu'une buffalo noire. On prend allez-y. La buffalo noire. On arrive, on arrive. Direction El Rancho. Ouh. On arrive. On est toujours direction El Rancho, on est à côté du tacos. On va direction Wardock sur Denis Code 2. Les mobiles sont dans les codes 2. Il y a beaucoup de personnes, hein. Il y a 3 voitures sur nous. On vous attend pour faire le 10-38 car il y a des voitures qui nous tournent autour. On arrive. On fait un tableau. Ah oui. On a pas bougé. Vous avez mis le GPS directement. Wow. On va l'ouvrir pour nous. J'ai pris le coffre. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça. Agressé. Ouais, j'ai bien vu ça. T'as forcé à... Bon, vous, restez contre la voiture, l'autre il descend aussi là, celui qui est derrière. Ok, vous mettez contre le véhicule, palpation pour les deux. Ok, pas de soucis. Bonsoir. C'est
cette personne s'est fait agresser. Ça va et vous? Elle est nécessaire, bah, ouais. Elle est nécessaire, la palpation. Franchement, c'est pas trop faire toucher. Elle est nécessaire, ah ouais, on est en code orange, messieurs. Non, je vais désormais être palpé. Eux là, ils vous ont braqué. Non, allez, écartez bien les bras. King Vamp, 19. Vous avez une arme à feu, vous? On l'a vu qu'une arme sur lui. Allez-y, 02, palpé. Franchement, évitez de me toucher, hein. Je suis énervé. Il a un couteau sur vous. Palpez-le, 02. Je vais vous palper. Mais non, mais va lui. Pas lui qui est armé. Ah, lui, merde. Vous là, avec la doudou noire, venez, vous allez vous écarter, vous mettez un peu là-bas. Ouais, lui il est armé par contre, lui on l'avait vu. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, c'est mon petit cousin. Allez, levez les mains. J'aime pas trop quand on parle, faites attention. Hein. C'est parfait, 85, restez là-dessus, côté rancho, c'est géré, on est de l'unité. Faites attention, je vais faire un conseil de palper. Ouais, c'est reçu, on passe devant le parking rouge sur le dernier code 2, direction ouest. Qu'est-ce que vous faites avec une arme à feu? Un véhicule noir, il me semble, une Oracle et un SUV grand luxe. Franchement, un véhicule, faut vous dire très franchement, on se protège, les brigands. Présentez-moi votre pièce d'identité. On est là dans le souci. Je peux me retourner ou? Oui, vous pouvez, allez-y. Ok, je me retourne. Hein. On tourne au niveau du parking rouge, là, sur le dernier code. C'est bon? C'est bon, oui. Alors, Jimmy Wass. De 40, c'est sont, ça, c'est ça. Évitez de le répéter à tout le monde. Quelqu'un dit s'il fait. Pourquoi vous êtes pas recensé, monsieur Wass? Je suis recensé. Ah non. Ah, je me suis fait recenser dès que je suis arrivé, monsieur. Non, j'ai un Isaac, mais pas de Jimmy. On est sur ce code 2, ils se sont rejoints avec la sentinelle. Pourtant, je suis bel et bien recensé. Dans mon dernier code 2, si vous pouvez la contrôler. Bon, je vais vous mettre une amende, monsieur. Et de toute façon, vous allez aller au poste avec mes collègues. Oh là là. Le poste? On va raconter des choses dessus. Atroce. Ok, parfait. Vous avez saisi? C'est reçu. Alors, donc. Je suis tellement maladroite qu'à tout. 57, vous pourrez le recenser, lui, s'il vous plaît. Le jaune, c'est pas le passion pour tous les individus qui sont à bord. La raison, c'est. Et donc, rapport d'arrestation, position d'armes illégales légères, 4500. Merci beaucoup. Ouais, n'hésitez pas, n'oubliez pas de noter la saisie aussi, il y avait un Beretta et des munitions, merci. Regardez s'il vous plaît. Manquez pas les cibles. Non, j'ai pas, c'est pas fait exprès. T'inquiète. Voilà. 27 à 40, on l'a perdu. Je vous ai pas entendu, dites-moi. 27 à 40, on l'a perdu, il passe dans des chemins que notre véhicule passe pas. C'est reçu, soyez vigilants par rapport à ce véhicule. Il y a un 2-4 sur un prix. Mais ils sont en tango. Du coup, de 40, je vais prendre une unité renfort sur ce code 2 là pour la poursuite de la taille. C'est pas grave, ils vont pas. Ils vont arrêter juste le mec qui a pas le. Juste le mec qui a pas le sens. Ouais. On va aller au mécano vite fait. Ok. Bon, qu'est-ce que c'est ça? De rien. 24-18, bonsoir Thomas. Bonsoir 24. Bonsoir 24. Mais il sort d'où lui? Il sortait d'où? Vous inquiétez pas. D'accord. Hop là, et voilà. 98, vous allez bien mon petit... Mon petit. Mon petit quoi? Mon petit. Allez hop. Je pourrais aller mieux. Bonjour monsieur, allez les mains en l'air, contre le véhicule, c'est parfait. Bien. Pièce d'identité s'il vous plaît. Bien évidemment monsieur. Ah c'est pour le véhicule monsieur? Byron Camara, bien sûr c'est pour le véhicule ouais. Ah mais c'est mon cousin. Ah bah, c'est votre cousin. Venons on va le voir. Non, bah non il est plus là. Bah, il est parti en courant. Bah, oui. Comment il s'appelle votre cousin? Il s'appelle
Ça nous braque. Ah, attendez, on doit y aller, vous avez de la chance. Où ça? Je vous aime. Répondez. Ah, mais je suis où? Ah. 24 km dans les côtes de. Pas grave, vas-y, hein. Allez, t'es fait le dire, on va voir lui là. Considérez que c'est un code 99. Ouh! Ah putain! Ok. Eh ben. Ah bah ça y est, le code 99 est là. Juste à côté. Allez, on déploie un ASD également. Je crois qu'il y a des voitures qui restent sur zone des Buffalo noir. Là. Les individus m'annoncent qu'ils sont 6 otages. Allons, mais c'est ce qui va se passer. Ils vous laisseront pas partir. Enlevez toutes leurs armes. Fouillez-les tous, un à un. Tous. Évidemment. Fouillez-les un à un, là. Mettez en périmètre. Monsieur, dame, bonsoir. Mettez en périmètre de sécurité, s'il vous plaît, autour de la zone. Il se passe qu'il y a des problèmes, d'accord, mm-hmm. Vos flics ont essayé de nous péter, là, pour je sais quelle raison. Et il s'avère qu'il y a des têtes mises à prix. Des têtes mises à prix, c'est-à-dire si, si, si. Il y a capitaine, des agents qui sont mis à prix. Capitaine, les laissez pas me prendre. Ferme ta gueule, toi. Bon, parce que vous braquez, on est obligé de vous braquer, hein. Un individu menace de... Bon, si vous voulez, ça me dérange pas. Très bien, pas de problème. Ça va, elle a les têtes pointées. Non, je pointerai tant que vous pointerez mes collègues, messieurs. C'est comme ça. Ah, il comprend, tu as raison, tu les dépenses. Voilà, vous baissez vos armes, je baisse mon arme, tout simplement. Regarde-moi. Comment vous dire que... C'est une prise d'otage, là, malheureusement. Oui, c'est très bien, mais bien vous... On est bien obligé de leur mettre la pression, parce qu'on a derrière. Ils veulent se rebeller. Très bien, sauf que vous avez vos armes en main, ils n'ont pas leurs armes en main, donc vous leur mettez la pression juste avec ça. Vous n'avez pas besoin de les braquer. Des fois, ça peut partir. Des fois, il y en a un qui veut faire le héros, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, mais... Prenez un petit peu, la situation est délicate. C'est sûr, si vous restez collé avec eux, oui, bien sûr. Oh, Sar, t'es bien honnête, ça. Bon, faire attention. Coup, alors, comment ça se passe, là? On est sur quoi, là? Eh ben, on vous retourne la question, justement. Ah ouais, bah nous en fait, là, le truc, c'est qu'il y a des gens, ils sont mis à prix, là, derrière. Oh. C'est-à-dire, qui est mis à prix? Des poyos, allez, là-bas. Allez, 54, toi aussi. Quoi? Faut que je me rappelle de leur matricule. D'accord. Et c'est quoi votre projet, là, du coup? Bien, mais c'est galère. Bah, là, on a quand même une belle brochette, là. Oui. Comment on peut faire, là, pour pouvoir lâcher ces flics? Parce que là, je peux vous dire un truc. C'est que une grosse somme d'argent est mise sur la table. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on n'a aucun intérêt à déposer ces poyos. L'immatriculation de la Buffalo là-bas. Je vois pas pourquoi on le ferait. Je peux pas prendre Eh ben écoutez, l'intérêt, moi je vais vous en donner un. Je peux pas prendre une opportunité et une seule opportunité. Ça va être de vous libérer l'une des deux voies et de partir. De laisser l'ensemble de mes agents ici sur place. Dans le cas où vous refusez, on ouvrira le feu. C'est quand même, comment dire, culotté là, au vu de la situation. Je vous ai c'est quoi? Alors attendez, du coup... Traînez-en un au pire par ses cheveux pour qu'ils comprennent. 5, 6. Alors 6 agents du LSPD sous menace de mort, c'est quoi? On les braque tous? Et quoi? Vous nous tirez dessus, on leur tire dans la tête, c'est un bain de sang? Qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, vous savez, ils font leur travail, ils sont là pour ça, monsieur. Eh ben nous aussi on est là pour ça. Bon. Ça, il est toujours dans si. Eh ben, si vous voulez en finir ici tout de suite et maintenant, c'est votre choix. On n'a jamais décidé ça. Malheureusement, ce ne sera c'est pas vous. Le choix des agents, mais c'est vous leur travail. Et votre ça, c'est vous et d'accord. Votre proposition. Mais hermano, si on a fini, ce ne sera pas que nous. Tout le monde en finira ici. Tout le monde, exactement tout le monde. Du coup... Écoutez, il vous propose un truc. Ne partons pas sur une discussion de sourds. Écoutez ce que nous avons à vous dire. Et ne restez pas basé sur ce que vous pensez, d'accord, concernant les présentages, etc. Ok? Donc on va gentiment trouver un arrangement, mais par contre il va falloir faire des pas chacun notre tour, d'accord capitaine? Le pas il est déjà fait, actuellement on est en train de discuter avec vous. Super. Le pas d'accord, il est déjà fait. Alors la proposition que vous m'avez faite, elle est pas intéressante.
entre, pour être honnête, ce que vous proposez, c'est un bain de sang, d'accord? Et vous non, le savez, pas du tant tout, bien moi je moi. Vous propose et enfin, je vous offre l'opportunité de partir. Alors, où est notre intérêt de partir sans rien, comme ça, nada, sachant qu'il y a des gens derrière là qui valent capitaine, une certaine prix. De rester en vie. Ferme déjà, reculez, mais reculez-vous de mes agents là. Arrêtez de faire du mal. Pas. De rester en vie. Oui. Arrêtez de faire du mal à mes agents. Si vous blessez un agent, ce sera rompre les négociations, messieurs. Dernière fois, vous ne touchez arrêtez, plus calmez-vous là. On sera obligé de faire intervenir le SWAT. Donc, s'il vous plaît, évitez de toucher nos agents. Merci. Comprends, ça comprends. Va. Du coup, moi j'ai une contre-offre. C'est quoi votre offre? Ben, on veut la somme d'argent cumulée de tous les agents qui ont été pris, qui sont pris pour cible. Parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a plusieurs. Pour pallier au fait qu'on va les relâcher. Parce que là, normalement, ils partaient sur une livraison express, Uber Eats direct. Hop, vamos. Et on prenait la quicheta. Malheureusement, vous êtes un mauvais livreur, à ce que je peux voir. Ah non, non, c'est juste que vos agents, c'est des poutos, d'accord. Si j'ai été très gentil de ne pas avoir tiré une tête, une balle dans leur cabeça déjà. C'est... Alors, c'est pas un mauvais livreur, c'est juste prenez-le une bonne bien livreur. En compte, ça, capitaine. Hein. Vraiment, pour de vrai. Quel là, agent, derrière nous, il y a des milliers. Combien et des milliers que vous pour de vrai. Ça nous propose 200 000 dollars. C'est énorme. Cumulé. Cumulé. Combien d'agents 6, mais vous êtes complètement malade. 200 000 dollars pour non, 6 non, agents. Non, non, pas cumulé, au total. Alors, nous, on peut faire un geste. On peut baisser à 100 000 dollars. Au vu de la situation. Vous êtes complètement fou. Vous pensez que l'argent, ça pousse sur les arbres ou quoi? Attends, je sais le capitaine. Ça pousse pas sur les arbres. Mais je sais que vous avez des budgets pour ce genre de choses. Vous êtes en train de nous dire que vous faites 17 000 dollars par tête, là? Vraiment? Oh, tu es une bonne conteuse, toi. Là. Bah oui, je suis une bonne conteuse, mais juste imaginez, là, on peut pas sortir comme ça 100 000 dollars en fait. Non, ça, tu peux le faire. On le sait que tu peux le faire. T'es pas de notre côté. Je suis tendu, il y a entendu des tirs, moi je commence à être tendu là. Je commence à être tendu, putain de merde. Vous voyez, moi aussi je suis tendu. Oui, bah calmez-vous, on va vous détruire. Calmez-vous, messieurs, calmez-vous. On est tous dans la bordel, c'est quoi le problème? Calmez-vous, calmez-vous s'il vous plaît. Informez-nous de la situation extérieure. Informez-nous. Pas dans le secteur pour l'instant, c'était un peu plus loin. Vous êtes sûr, vous êtes sûr. Plus loin, c'est ni déjà des agents, ni d'entre vous. Ok, ok, c'est bon, c'est pas dans le secteur, les gars, c'est pas dans le secteur. Calme-toi. Si c'est pas dans le secteur, je vous crois. Alors, on est, comment dire, tous ces agents qui sont alignés, ils ne sont pas tous mis à prix, d'accord? Qui est mis à prix? Alors, quelqu'un a appelé les EMS? Je vais aller voir leur visage et je vais vous dire qui est mis à prix, c'est bon? C'est bon. Merci. Retournez-vous s'il vous plaît. Capitaine, il vous conseille de coopérer pour cette fois et vous dire la vérité. Mm-hmm. Et pourquoi ça? Vraiment. Parce que sinon, ça va être une bande de sang et vous dire la vérité. Ouais. Mais vous voyez bien que là vous êtes en sécurité. Si nous sommes encerclés, vous comprenez bien que là, en un claquement de doigts, vous ne ferez pas long feu. C'est vrai, mais vos agents aussi, du coup. Il est vrai. Il est là le problème. Il est vrai, mais comme je vous l'ai dit juste avant, hein, on se prépare pour ça psychologiquement tous les jours à ça. Allez. Alors nous, imagine, capitaine. Bien, oui, tu sais d'où on vient, capitaine? De R. Rancho. On a grandi dans la merde. Je vous dis la vérité. C'est nous qui est mis à prix. C'est 40 et 27. 100 000 chacun. Si. 40 et 27. Et une raison particulière? Alors là, non. C'est une raison, comment dire, c'est pas notre problème. Nous, c'est juste en mode, on nous dit, écoutez, ces agents-là, si vous ne les ramenez, ils valent autant, on exécute. Très bien. Vous savez que c'est extrêmement grave ce que vous faites. On a conscience des risques, on prend, oui, effectivement. Comme vous dites si bien, les on agents de police, on a signé pour ça. Exactement, il aime bien ça. Donc si vous avez signé, messieurs, on est d'accord que vous revendiquez. Comment? Vous signez, donc vous revendiquez. D'accord. Non, je crois pas. Parfait, merci. Il fait des blagues. Il a bien rigolé. C'est une blague, lui. Il fait beaucoup de blagues. Non, moi, il est dit, moi. Non.
Très bien. Ah, je suis trop fort. Super simple. Borgain, vous voulez 100 000 dollars. Pas voir, il y a une question sur ce code de. Moi, il est dit, hein. Tu veux combien ce soir? Ou demain soir? Monsieur, là, monsieur en surveille, j'écoute. Le négociateur, s'il vous plaît. Si, si, dis-moi, on est là. Le négociateur, s'il vous plaît. On vous donnera 50 000 dollars, pas 1 si, dollar plus. Si, celui-là, il peut parler avec toi aussi, tu sais. On vous donnera 50 000 dollars et pas un de plus. Oh. Écoutez, j'ai déjà fait un super grand pas pour vous. À la base, je vous proposais rien, simplement de partir en l'échange des agents. Je vous ai entendu. Vous soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Prenez l'argent que je vous propose. Déjà, on vous ouvre une brochette là. On récupère nos agents. Ils peuvent laisser les 100 000 et les joueurs. Alors, je vais vous expliquer un truc, d'accord? À la base, moi aussi, je fais un pas vers vous. On était sur du 200 000. C'est-à-dire 100 000 par tête. Mais c'est dans le chica. C'est-à-dire que nous, on a estimé, au vu de la situation, de descendre à 100 000. Préparez les colonnes de sous, s'il vous plaît. On a décidé de descendre à 100 000. S'il te plaît. Derrière moi. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Ça veut dire que là, vous coupez pas la poire en deux. Là, vous la graillez, la poire, capitaine. Vous la graillez, putain. Ouais, je la graille, mais je vais vous laisser aussi partir. Vous vous rendez bien compte. Mais nous, on a deux agents qui sont mis à prix. Les autres, c'est pour notre libération, justement. Moi, je vous parle des deux agents mis à prix. Oui. Si on les livre, sachez que ces agents-là vont certainement mourir. Et oui, sachez que vous ne repartirez avec aucun agent. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là pour discuter d'une certaine négociation, de voir comment on peut faire et de s'arranger sur un prix qui nous convient. Parce que je ne vais pas vous mentir, au vu des risques qu'on a pris, repartir avec 50 000, il y a la sans mal. Comment ça, vous la sentez mal? Il y a la sans mal, ça me fait mal au cou. Là, j'ai l'impression que j'ai le sommet-balle écarté. Vous serez en liberté et non crimé de balle avec 50 000 dollars. C'est quand même mieux qu'avec zéro. Pour rien, écoutez, vous agressez les agents? Écoutez, vous avez vu sur les otages, vous voyez bien qu'il se passe rien. 98. C'est juste du cinéma, oui, d'accord. Va chercher un bouclier dans le coffre de la voiture, s'il te plaît. On appelle ça un acteur. Comment que... Ok, bon, laisse tomber, je vais. Certainement que sa mère c'est une puta, on sait pas nous. Est-ce que vous savez si sa mère c'est une puta? C'est quelqu'un de très respectable. Vous la connaissez? Oui, et sa grand-mère aussi d'ailleurs. Elle s'appelle comment sa mère? Je vous en pose des questions. 54. Au secours. Mettez-vous. Elle s'appelle comment ta mère? Elle s'appelle pas connard, tu seras pas une tape, capitaine au secours. Bah si, justement. Elle s'appelle au secours moi. Sa mère. Bon, on va abriger. J'étais devant. On va abriger sur le toit. Hein. Écoutez. C'est normal. Vous inquiétez pas, 54 il va retrouver au secours ce soir, il y aura pas de problème. Sauf que là, on veut juste repartir avec 70 000 dollars. Dernière offre. Ça va, Samy? 69 656 dollars. Non, d'accord. Ok. Ah, j'adore. On en a combien là? 6. Contre. On vous donne, regardez, ça va être très simple. On va vous donner les deux qui ont été mis à prix. D'accord? Non. Ensuite, quoi? Je veux 54 en premier. Parce que visiblement il a été blessé, il faut qu'on s'assure qu'il va. Tout à fait. Bien. Il n'a pas été blessé. Ainsi que 40 en premier. Ils n'ont absolument pas été blessés, seigneur. Sachez-le, c'est de la comédie. On vérifiera de nous-mêmes. Bah, envoyez un médecin, elle est derrière. Eh, viens là, médecin, ramène-toi, vérifie. Non, là, c'est beaucoup trop dangereux, là. C'est simple, de toute façon, c'est simple. Je les veux en premier, ces deux-là. On t'approche pas, Nira. Écoutez, prenez-les en premier, on s'en bat les couilles, en vrai. Regardez. Allez-y, libérez-les, vas-y. 54 et 40, vas-y. 54 et 40, vas-y. Vas-y, c'est tant pis. Mon équipement, bande de connards. Viens là, je vais te le donner ton équipement. Le coup, tu le mets dans le cou. Mon équipement, bande de connards. Vas-y, avance. Il y avait 66, venez voir. Oui. Eh bien. Voilà, super, il est là. Attends, je vais vous baiser, bande de cons. Bien sûr, bien sûr. 12, il est où? 12, il est où? 12. Bon, du coup. Attendez, une seconde. Revenez voir 54. Allez voir 54. 54-40, préparez des véhicules, d'accord? Vous mettez premier sur les poursuites, ces enfants. Figo, est-ce qu'on a une Vigoro sur le terrain actuellement?
Aucune. Non, y'a pas besoin, regardez. Elle est pas là, elle est pas là. Prenez la ma révolter à moi. Prenez ma révolter. Mais elle est pas très réparable. Elle a l'air cassante. Le capitaine a demandé un ASD, est-ce qu'il y a des agents? C'est bon, y'a tout qui va, 24. Super. Mais c'est où? Ouais. Ouais, mon con. Vous allez au PTP là? On va réparer la bagnole. Mais qu'est-ce que... Mais attends. Vas-y, monte. Bah, il est où? Ah, tu veux... Ouais, partent tous. Ils vont chercher... Putain, arrêtez de me regarder comme ça. Nanika! Nanika! Ça va, c'est le chien là-bas. Excusez-nous, c'est notre petit chien là-bas. C'est Nanika, c'est bon. C'est le chien sur la terrasse. On la connaît bien, cette chienne. Ah oui, je vois. On parle pas de toi. Bah, j'espère bien. C'est gratuit. Elle était drôle celle-là. Elle était drôle, ouais. Bon, il se passe comment là, les négociateurs, ils prennent la fuite comme ça là, bordel. Il arrive. Qui ramène son culot. Si, fils de pute. La gadji, elle est trop sous la... J'ai trop fumé la Zumalika, tout la chikata. Tu peux pas lui demander de se ramener. Attends, aussi rapidement, il est allé chercher ton argent. Vous voulez que je vous dise un truc, les women do LSPD, à chaque fois que je vois, je me dis... Bella. Par contre, votre collègue, il peut arrêter de pointer mes collègues aussi, ce serait pas mal. S'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît, j'arrêterai de le pointer quand il arrêtera. Attendez, Pélos, ça va. Parfait, merci. Alors, tu peux dire à ton collègue aussi qu'il arrête de pointer la barre. Avec le bouclier, il y a pas moyen. D'accord. Ok, bon, il arrête là, vous avez vu, ils ont arrêté, donc on baisse. Ok, ma moyenne. Non, mais regarde, mon pied il est vers le bas. Tenu. Non, en fait, je parle pas de toi. Excusez-moi, radio, vous me recevez? Non, il parle au Chico qui a le bouclier de la gardienne. Non, il peut pas. Avec le bouclier, il est pas pointé vers vous, ne vous inquiétez pas. Parfait. Ok, détendez-vous. Allez chercher un véhicule. Cette route de balle, le pas foot là. Casse-toi. Non, mais moi j'en ai besoin. Voilà, une Buffalo SX. Tu fais quoi là? Oh, voilà, tu fais quoi? Attention. Oh, baisse ton arme. 54, s'il te plaît, arrête de les viser. Comment c'est à dire à votre putain de cowboy qu'on vient de relâcher quand il se chie dessus là? Va arrêter là parce que ça va partir en couille. Mais oui, mais chauffez tout le monde. Mettez-vous une tenue de flic. Mais regardez, propre, voilà un truc, un minimum quoi. Tu l'as dit, tranquille. Bon, l'argent est actuellement en route, il va falloir patienter un petit peu. D'accord. Par quel côté vous voulez partir? On va partir par là-bas. Mmh. Du coup, on a besoin de l'intervention de mécano. D'accord, très bien, on va les appeler. Ah, d'accord. Nickel, capitaine, tu peux dire à ton agent qu'il descende de la barre, par favor. Mais pourquoi de l'autre côté, vous regardez. On n'a pas envie qu'il sente son acte héroïque, ça part en. Il va rien tenter du tout à partir du moment où vous êtes dans les négociations, rien ne va se passer. J'espère bien. C'est bon comme ça. Oui, bonsoir, on aurait surtout besoin de vous si... Du coup, je vous disais, les women ou LSPD, quand je vous vois... Si tu me remets ça, je vais devenir fou. Oh putain. Ah putain. Dis-moi la vérité. Arrêtez de les viser. Si, je te dis. Tu préfères laquelle? Bella. Oh, celle qui me regarde depuis tout à l'heure. Bon, les poussins là, dites-moi, vous avez besoin de voir le médecin ou pas, tant qu'à faire? Si. Le médecin. Parce que la petite dame, elle s'ennuie là. Ouais, elle a besoin. Je fais un check-in des otages si vous voulez aussi. Voilà. Il ne lui arrivera rien. Faites un check-in des otages. On a le mécano qui est en route. Ok,
peut faire un checking des otages. Il va enlever mon pantalon, ça veut dire. Capitaine, vous voulez lancer les dons quand? Ça n'a pas de problème. On veut pas aux médecins, les médecins font bien leur travail. C'est qui récupère la N-Market? Alors, vous voyez qu'elle est tranquille. Et la N-Market, c'est qui la récupère? Aïe, ça, ça fait mal. Merci 02, j'apprécie. Pardon, c'est pas grave. Super, la jalousie pour se battre contre moi, c'est bon les filles, tranquille. J'apprécie à moitié ce qui vient de se passer. Vous en faites pas, d'accord? Bien joué 02, elle l'a mérité. Pardon? Vous battez pas pour moi les filles, vous en faites pas, il y en a pour tout le monde. Mais respect à vous, vous allez bien? J'aurais une question très importante à vous poser. Non, ça va. Ok, le choix de la cagoule, c'est volontaire ou... C'est totalement volontaire. D'accord. Moi, on m'appelle l'abeille. L'abeille. Ça, c'est mon jingle. C'était quoi le tutulut à la fin? J'ai choqué, là, je... C'est vrai que le tutulut à la fin, je l'ai jamais. Vous vouliez me dire un truc, capitaine, tout à l'heure? Ouais, pour que vous ramener un véhicule, mais 98 ah, et 57, okay, parfait. Si bon. 4... attendez. Espèce de bout. 32 prise de service, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. 98 et 57, c'est bon pour vous, le véhicule? Là, là. Ok. Je suis derrière vous, donc attendez. Mais il faut aller en rappeler. Ça va, 40? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a nada, amigo, nada. Il va juste se passer une tempête, une tempête. Répétez une avant, hein. Bravo. Le conducteur de Los Santos vient d'annoncer une tempête. C'est pas le meilleur. Si, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur de Los Santos. C'est le meilleur del mundo. Oh, bueno. Regarde, Gérald, je peux la mettre. Le Gout. Je pue la merde. Le gars. Par contre, capitaine, on attend quoi pour les prendre en poursuite, ces enfoirés? On belle attend là. Le mécano actuellement, il arrive. Belle là. Le mécano arrive et sur sinon, notre station. Vous allez faire quoi après cette prise d'otage? Vous allez nous suivre? Bah moi, je vais bien rentrer à la maison. Donc, au niveau des poursuites, on aura 40 femme, et 54 qui seront dans Marie Voltaire, l'ASD 12. C'est peut-être une éventualité. Ça, c'est nos oreilles sur le terrain. Les après, autres, vous mettez sur les autres. À deux à la morte. Ok. C'est possible aussi. Bien sûr. Il est chaud pour le moment. Il est chaud. Arnaud, viens voir deux secondes. Ouais. C'est qui, Louis? J'aime quand on se pose des questions de qui je suis. Bon, ça va toi, en fait? Seigneur. Faites un check au niveau de votre essence, s'il vous plaît. Dites-moi. Ok. Vous prenez tant de risques, mais vous avez pensé à votre famille? Oh, ça fait longtemps que j'ai signé, hein. Bzz, bzz, t'es dans la merde, bzz, bzz. Dans ta gueule, toi. Ah merde, rendez-moi un sens, c'est ça. Ah, mais pourquoi vous faites ce métier, seigneur? Non, c'était... Vous en avez pas marre de prendre autant de risques? Je vous retourne la question, vous en avez pas marre de prendre autant de risques? Et votre famille, vous y avez pensé d'abord? Ils sont combien? Vous avez combien de véhicules? Je vous retourne la question, vous avez pensé à votre famille? Il est où le deuxième? Ah, vos petits frères, qui sont là. Ah d'accord, ok. C'est bon, monsieur, t'avais dit qu'il allait partir en dissertation. Parfait, merci beaucoup. Ouais, hein, toujours. Pipelette, il veut taper Pipelette. Elle est de retour. M. Oh. Oh là là, quel enfer. Mais non, pourquoi tu me stoppes comme ça à chaque fois? Comment ça, quel enfer? Parce que c'est pas envers vous, c'est ça? Parce que vous faites pas draguer? C'est ça, jalousie, ouais. Ouais, c'est ça quoi? C'est la jalousie, c'est ça? C'est ça, c'est la jalousie. La jalousie. Bien, bien sûr, parce que c'est quand la dernière fois qu'on vous a dragué? Dites-moi, il veut savoir. Oh bah c'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure, il y a une heure. Qui vous a dragué? Écartez-vous, il y a le mécano qui s'occupe des véhicules. C'est celui-ci? Ouais, celui-ci. Ouais, c'est qui? On veut savoir. Le braqueur demande. Un problème, il faut répondre au braqueur. C'est logique. Couvrez-moi, monsieur. Je crois que ça commence par un 6 et ça finit par un 6. On vous couvre, on vous couvre, on vous couvre. Il est fou, lui. Un faux mouvement et. L'abeille d'abord. Ça saute comme des popcorn. On va sur Belle. Super, encore une blague comme ça et il slap le mec à ma droite. Très bien. Bah, ça va. Comme vous, je pense. Et... Spider-Man. Tu eras su, Belle amiga. Spider-Man. Attends, ça parle de mes blagues alors qu'il parle de ce moment. Vous avez entendu tout à l'heure, ils ont revendiqué quand même. Monsieur, vous éloignez du véhicule, je vais monter dedans. Ouais, bien sûr, bien sûr. 54. Merci. Voilà, parfait pour celle-ci. Voilà. Attendez, je place une petite balise GPS. Voilà, ça vous fera le cul, hein. Ouais, allez. Super, hop. La petite balise GPS. Plein d'essence. Et ok, je place un scanner qui va enlever cette balise. Et où?
Yamakasi. Ah, ouais. Ah, c'est malade ce gars, ils sont bien équipés. Venez, venez. Incroyable. Eh merde, il est bien équipé le bordel. Je vous le dis, il c'est la targateur, c'est bien sûr. Regarde, excusez. Vas-y. Je t'aime beaucoup. Vas-y. Attends. Vas-y. Ça se fait 100%. Là, voilà, saute là. Vas-y. Quoi ? On rentre dans leur périmètre comme si c'était chez nous. Ah, je suis chez ma mère là. Hein. Là, je pourrais aller taper la bise avec le braqueur. Le 24, le capitaine, le MS peut rester ou elle peut partir ? Oh, le jeune ! C'est bon, il peut partir là, le MS. Là, passez derrière la voiture. On avait un périmètre de sécurité qui m'allait très bien. C'est vrai ? Mais moi je pense que c'est peut-être. Je te jure que c'est possible. Je te jure que c'est possible. Ah, c'est pas possible, jeune, c'est là, possible. Le jeune là, le jeune excité là. Vous avez monté sur le bac ? Hop. Tu veux que je te dise une vidéo ? Bah vas-y, essaye, dis quand on te regarde. Pourquoi tout le monde m'appelle ? J'en ai plein le cul. Hermana ? Bien sûr. Demandez aux filles, bien sûr. Bien sûr. Bien. Bah oui. De losers, voilà. Et te dis la vérité, quand ils te voient, ils voient que tu aimes ton travail, toi. Ça se voit. Ah bon ? Vas-y, tu peux envoyer les... Attends, vraiment, attends, je recule la voiture. Il voit que tu aimes bien ton travail. Recule un peu. Ça marche. Ça va partir. On met le dans le coin, là, vas-y. Dans pas longtemps. Très bien. Les métro ou pas? Gars, vérifiez bien votre distance, s'il vous plaît, c'est important. Prenez le deuxième véhicule à côté. Les métro? Non, pas du tout. Vraiment, une Yuri fait comme toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu travailles chez eux? Pour protéger les citoyens, c'est tout. Arrête. C'est une excuse. Non, c'est pas une excuse. Ah, misère. Ouais. Comme tu dis. Oh, et ben il va être l'heure d'y aller. Il va être l'heure d'y aller si on aimerait que la voie là-bas soit libérée correctement. Parfait, on va vous libérer la voie. Et puis on va tout relâcher, on va se barrer. Allez vous libérer la voie côté ouest, s'il vous plaît. En tout cas, c'était un plaisir, d'accord. J'espère pas vous recroiser parce que on vous rechoppera encore. On se reverra. 40 et 27, les têtes sont mises à prix, n'oubliez pas ça. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? De l'argent. Juste pour de l'argent, il y a bien une raison pour laquelle ils ont une tête mise à prix. On connaît pas la raison, d'accord. Mais c'est bizarre, qui 27? Mais il était là. Je sais même pas qui c'est 27, je vais pas te mentir. Moi non plus, je sais pas qui c'est. Bien, 9-8, mettons sur le côté au cas où. Bon, vas-y, faut monter là. Ouais, bien sûr. Si. Ils vont nous suivre. Non, ils vont avancer avec nous. Non, t'inquiète pas, je le sens. Si, on l'a. Allez, 98 et 66, vous montez. Tu vas voir, c'est pour information à tes unités, sachez qu'ils en ont oublié de récupérer la rançon. Ils ont aucun argent sur eux. Allez, on se tape pas à la sortie, d'accord, on laisse passer la révoltaire en premier vu qu'elle était tout au fond et on se suit les gars. La Sherman, la Taigateur, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Concentrez-vous sur la Taigateur, les autres on se concentre sur la Sherman, nous. Allez, c'est noté. Quoi que, attendez. Finalement, on va se concentrer sur la Taigateur. Concentrez-vous sur la Sherman, les autres. Le scout, vous récupérez les agents également là. On a le meilleur conducteur de Toro Santos. Faut faire attention les gars, à tout le monde ils vont essayer de répéter le même plan. Récupérez le scout. Oh là la chasse. Ouh là là. Là ils sont morts. Ah bah là... De toute façon ils ont revendiqué ces andouilles. Putain, bah, aucune de vous deux ça sont bons en conduite là, c'est ça? Je serais bien allé dans les lits. Ça va, je me débrouille, mais faut pas que je passe au Maze Bank, quoi. Attention au plan mule, c'est surtout ça, putain. Si vous préférez aller en hélico, allez-y, hein. Non, bah non. Sur la Sherman, là, y'a combien d'unités derrière? 3. C'est reçu, et sur l'autre... 3. Bah go, prendre un ASD, hein. Non, c'est bon, l'ASD, il est en l'air. Ah bah c'est parfait.
Putain, ils ont oublié l'argent. Ils ont pas pris l'argent ? Non. Ils sont cons. En plus, j'ai faim. Bah déjà, je les ai niqués avec ma question tout à l'heure, alors... 85, t'as du monde sur la radio, là, des EMS. De garde qu'on se mette d'accord pour rentrer quand même avec nous, on fait toujours le tour. En fait, je leur ai demandé... Je leur ai dit, ouais, mais dans ces cas-là, si vous êtes sûr de vous, vous revendiquez. Et y en a un qui a dit oui, on revendique les Vagos, Los Vagos Logos. Donc voilà. Et les autres, okay. Non, on revendique pas. Putain, le QI. Donc voilà, on sait que c'est les Vagos. Après, donc, même si on les chope vous pas. C'est dans le cerveau. Hein. J'ai un doute. On est sur une poursuite, on est des salopes. Oh. En plus, j'ai faim. Bah, vous voulez que je conduise ? Comme ça, vous pouvez manger. Mais vous arrivez pas. Vous arrivez pas. Mieux que 9-8. 9-8, vous. Allez, non, faut qu'elle s'entraîne. Parce que vous avez des problèmes qui sont pas de votre faute. Vous êtes pas très. Voilà, vous avez des problèmes moteurs, quoi. C'est un pied devant l'autre, c'est compliqué. Hey, oh ! Mais moi, c'est que je connais pas la ville. D'accord, ok. Faites des codes 2 pour anticipation, s'il vous plaît, pour la. La quoi, la STX ? La voiture noire. C'est la Sherman. Attention, la deuxième. Ok, je crois que j'ai capté ce qu'ils sont en train de faire. Ils essaient qu'on se percute au même moment où on arrive sur eux. Faites attention à pas vous percuter entre collègues, s'il vous plaît. Des codes 2 pour la Sherman qu'on anticipe, s'il vous plaît. On s'encule. Bon. Super, je vais péter mon crâne. Vas-y, roule là, Tanya, j'ai pas touché. Vous voulez quoi, la Sherman ou la Tagata ? Bah, la Sherman. La Sherman, vous êtes tout. Mais pas de cube actuellement, on remonte direction ouest. Appelez 57 par téléphone. Ok. Il y a 67 qui va vous appeler. J'ai mal à la tête ici. Les autres véhicules vont pouvoir nous récupérer pour la Tagata là. C'est un problème. Code 2, on va remonter la maison. Pardon, mais on qui est con ? Excusez-moi. Ça va, on va remonter bien. Direction ouais, Mira, vous êtes où ? Par plein nord. Là, on est direction Vinewood, on va arriver à la place Fibank. Ok, on est proche de Vinewood, dans des Deliciosi. C'est bon, tu les as vus, 38. Du 5, on redescend, direction Arcadius, direction... Là, ils sont là. C'est là. Donc il faut que tu anticipes... Ok, merci, on va essayer d'anticiper. Ok, attends, je prends la prochaine. Vas-y. On va continuer direct. Vas-y. En fait, il faut qu'on reste dans le secteur, pas très loin, au cas où. Là, vas-y, monte. Il faut vraiment qu'on se fasse jamais voir le véhicule, quoi. On va reprendre direction Armurie, place des cubes. Après, apparemment, ils ont besoin pour... On va tourner direction les quartiers sud depuis ce côté. Je pense que 40 a besoin de nous. On va passer, on va s'engager sur le camp de SDF. Bah, il fait des coups. Sur ce code 2. Ok, bah, go sur... Non. Attends, je te mets le GPS directement. Bien joué. Oula. Faut juste que j'enlève le limitateur de vitesse. Bah, en fait, si je te les mets direct, ça ira plus vite. Ouais. Le limitateur de vitesse ? Ah non, mais faut que vous fassiez un peu. Faut que j'aille sur le mécano. Sur l'autoroute. Ah, ils sont sur l'autoroute. On va prendre plein nord sur l'autoroute. Oh putain. Vas-y. Plein nord en plus, ils vont arriver ici, donc faut vite monter sur l'autoroute. Petit incident pour la navigateur, faire du jet pour la SDF. Allez, vas-y, tu peux le faire. Alors, c'est clairement de l'autre côté par contre ? Non ? Non ? Il a dit plein nord. Ok. À mon avis, ils sont en dessous là. On est toujours sur le tour direction nord. Ils sont là. Ce code 2. Ah ouais, bien vu. Bah ouais. On va continuer en direction de la Del Perro, parking multicolore. On a raccourci pour passer. J'ai reçu, j'ai 3 unités sur ma poursuite. Excuse la Sherman. Les deux unités avec moi sur la Sherman. Non, c'est abusé. Comment ça ? Sur le tour, les autres unités, vite le tour. Là. Non. Ils sont sur l'autoroute. Je vais où ? Je vais là, sur l'autoroute, retourne derrière. On a repris l'autoroute sur le code 2. On va continuer direction sud. On passe par parking rouge actuellement. Ouais. Toi aussi, t'as des problèmes, hein ? Ouais, j'ai des soucis là. On va reprendre direction nord sur ce code 2. Bon. Essaye de faire le tour et retourne la face. Essaye de faire le tour et d'aller vers la prio et comme ça, on monte baisse. Les gens, s'il vous plaît, 57.
On va sur le code 3, on fait quoi? Attends, code 2. Vas-y. Je te mets le GPS. Code 2, on passe chantier actuellement. Ah putain, il y a des ventes de drogue en même temps. Et on va prendre ça. J'ai conduit toute seule, j'y arrivais et dès que je suis avec vous. Pour la Sherman, sur ce. Non, mais c'est la vitesse, c'est la vitesse qui. 5 direction ouest au coiffeur. On tourne autour du coiffeur. Pire parking rouge, c'est pas évident. De 40, on va arrêter l'école, on va prendre l'unité sur la poursuite. On va arrêter l'école à l'autre carte. Essaye quand même de bloquer. On est autour du coiffeur, on est au sud du coiffeur. C'était pas eux? Ouais, si, c'était au-dessus. Bonne nuit, Bolibol. Direction est maintenant. Vas-y, continue, hein. T'entends les sirènes, t'essayes de te repérer et. On tourne demain autour du coiffeur. Coiffeur Vespucci. On est à l'ancien tacos, 10-4. Ancien tacos, on passe. Bah, vous nous avez. On vous laisse l'idée de la fugitive. Bien, 2-40, vous êtes combien dans la Buffalo Grill là? Non, mais là c'est trop. Ça peut déprendre alors dans le cas là, si vous êtes tout seul. Allez, t'y passes devant. Faites attention, parking rouge, à tout moment il passe sur l'autoroute pour se faire récupérer. Arrête sur, l'autoroute. On est trop là, faut décrocher. Ouais. Ils sont 3. 4. 4. La caprène véhicule. Poursuite dessus. Ouais, ouais. Ça qu'en fait, vous êtes de retour sur la Sherman? Oui, 17, c'est moi. Bien sûr. Gardez le lit pour le moment, quand je vous dis. Tantôt au niveau de l'autoroute du bas, c'est vraiment. Oh là, Nafu, t'as vraiment des soucis là. Là, oui, bah oui. Tu veux que je conduise? Parce que là. Oui, les ailes voleurs, j'en ai 10 ans. Je pense que tant qu'à faire. Ce sera. Bah oh. Non mais déjà on va aller au mécano là parce que. C'est des calls qu'on puisse anticiper, si jamais ça se dirige vers un endroit en particulier s'il vous plaît. Va où elle est, Reaper. Attends, je te mets le GPS. 40, de notre côté navigateur, on est sur ce code 2, on va prendre direction l'île de Séoul. Capté, on va prendre parking rouge. Ah. Affiche parking rouge, c'est clear. Genre déjà j'ai la pression. Et pourquoi tu fais le parking rouge? C'est pas grave, c'est pas grave. Va falloir que tu t'entraînes un petit peu. Bah ouais, mais pas sur des gros trucs comme ça, parce que je sais que j'ai trop de pression d'un coup. Oui, là. Mais dis-toi une chose, t'es pas lead, donc c'est pas. Oh, désolé. Négatif, on est deux, y'a la famille avec nous. Il nous a sûrement perdu, venez avec nous. Il faut rentrer on dedans. Est sur ce code 2. Bah. Ça s'ouvre, c'est bon, c'est ouvert. Pas moi. Laisse-moi conduire. Ouais, et puis on est toujours sur la même position, c'est pour ça qu'on n'a pas call, on va aller place des cubes. On va reprendre de suite depuis place des cubes. Attention, la Sherman se dirige vers la place des cubes. Place des cubes aussi, hein. Alors, si ça va se recoller, faites attention. Bonjour madame. On est auto. Parfait, c'est reçu, on va partir clair, suite de Unicorn. Soit... Après, si tu peux la nettoyer, parce qu'en vrai, on voit pas très bien la couleur là. Le matricule de Malou, c'est qui? Direction stadium. Qui Malou? Monsieur le mécano, bonsoir. Et vous, ça se passe? Ça se passe. J'entends beaucoup de gyros, beaucoup d'hélicoptères. Qu'est-ce qui se passe? Ça travaille. Merci beaucoup. On est juste derrière vous là, second suite, on va commencer à coller. Je me fais un coup de chien, monsieur. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que ça là? Attendez. Je vais vous donner quelque chose. On va vous donner quelque chose, vous testez. Mettez carrément ma salade, dites-moi vous en pensez quoi. Allez-y, ouais, je vais. Attendez. On vous donne des pizzas aussi. Ah, vous êtes plein, monsieur. Ah. Donc, du coup, de 40, il est plein de burgers. On est beaucoup d'unités là. C'est ce que je dis à 66 depuis deux jours. Allez-y. 10-4. Tu m'as donné quoi, une salade? Deux pizzas. Tiens, moi je vais vous donner une salade. Coucou. Tu t'appelles comment? Maddy. La Buffalo Texas, deuxième panier collé, vous lâchez, vous allez en. Toi aussi. Je veux que vous soyez nos yeux. Vous aimez bien? Ouais, franchement, c'est bon. Bah écoutez, juste pour vous, la police, on vous fait moins 10% à la pizza. Ouais, je vous jure, c'est vrai. Bah écoutez, bah ouais, nickel. Carrément toute la police, Bonne soirée, hein. Bonne soirée, hein.
Au revoir. Salut, tu t'appelles comment? T'es belle, hein? Oh là là, vous faites vraiment ça entre filles. Ouais, écoute, c'est elle qui m'a posé la question. J'ai juste répondu, toi aussi, par politesse. On est actuellement sur ce code 2. On va direction poste de la Mesa. Oh, je suis à contresens, mince alors. Ouais, on va direction Cypress. Ouais, je sais pas si j'aurais le temps d'y aller, mais bon. On va prendre en direction des docks depuis Cypress. Allez, c'est prenez la dernière. Je veux l'anticipation pour la Buffalo Grace. Pas de quartier Rancho, on va reprendre Nord. On a pris Est depuis le Taco sur Rancho. Depuis combien de temps tu as la poursuite, s'il vous plaît? Depuis un bon moment, une dizaine de minutes déjà. Ok, je vais voir pour faire des barrages. Oh. Dans 5 grosses minutes, je peux reprendre le volant. Ok, ok. Mais prenez, mangez tranquille. Hein. On a combien d'unités qui font rien, s'il vous plaît? Mettez à jour votre dispatch, s'il vous plaît. Il est où l'hélico? Qu'elle a besoin de faire. Je vois plus. Mettez deux dans des croches de la poursuite. 57, vous êtes tout seul, faut que je fasse un changement de véhicule. Ah merde, la SD il a décroché. Alors pour la charmante, s'il vous plaît, on est au sud de la bijouterie 5. On va passer hôpital gouvernement. Ancien gouvernement. Wardog, faites des coques 3 ceux qui sont à Wardog, s'il vous plaît. 17, vous pouvez continuer, s'il vous plaît, on va recoller avec vous. 57, t'es dessus. On m'entend pas radio ou. Ah, qui es-tu? Je crois que je t'ai pas entendu. Qui es-tu? Moi je crois que je l'ai pas entendu. Ceux qui sont en poursuite sur Wardog, faites des codes 3 s'il vous plaît, merci. Non, toujours pas. Dernière position 17. Je vais me faire... ok, d'accord, bon. C'est de 40 pour la SD, vous placez pas ce véhicule, ils vont essayer de nous avoir. Eh bah les... putain. La SD, on a dû décrocher, hein, dans les fils. Dites-moi, 40, vous faites des codes depuis tout à l'heure, s'il vous plaît, donc actualisez vos positions qu'on arrive. Ils sont 4 à l'intérieur, il y a 68 et... 2. Là on a quitté du coup la fonderie, on va s'engager au niveau des cadeaux sur ce code 2. Sani, faites le tour. Ok, C'est lent les codes 3 là, je... Au niveau de Cypress. Oh bordel. On l'a. J'ai reçu, faites les codes. On fera des codes 3. On va direction El Rancho. Merde, j'ai pas pu le dernier code 3. Peut-être vous l'avez toujours. Ah bah c'était eux. Nous sommes au niveau du Megawall. Vous parlez bien de la Sherman, non? 4. Navigateur S. Continue. À tout moment, je peux conduire. Hein. Pas de problème. En direction du. Voilà, il faut vraiment des vrais codes, s'il te plaît. Je vais essayer de recoller pour faire des calls. Oulala! Position, désolé. On poursuit quoi nous? Nous allons au niveau des canaux. Très bonne question. Je les ai perdus là-bas. Là-bas à gauche. Vous voulez pas que je prenne le volant? Si, allez-y. Parce que j'ai mal au crâne, j'en ai marre. Suite. Oh mais putain, on a failli faire faucher. Révolte. La Giro là, 19, la Giro là. Ensuite, pour la T14. Attaquateur, s'il te plaît! Accueille-moi un Vespucci Beach! Au niveau des quartiers de Vespucci Beach. Ah, on l'a perdu.
Je vais arrêter le stream, les gars. Peut-être que ça m'aidera au niveau du truc. Parce que là, c'est trop. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne soirée. Je vais vous raid quelqu'un. Ok, ils sont...